Bonsoir tout le monde. Ça y est, on prend l'antenne. Nous sommes, enfin vous êtes plutôt, parce que nous on est toujours sur le Chronologie des femmes artistes numéro 25. Donc 25e semaine de découverte pour ce petit travail, ce travail de longue haleine sur la découverte donc de femmes artistes. Alors, on fait comme d'habitude une petite présentation des biais qu'on utilise dans le stream pour vous mettre un peu resituer les choses, pardon. Donc, on parle bien des femmes artistes. Et la perspective qu'on aborde, c'est une perspective d'histoire de l'art, donc à savoir qu'on parle de pratiques visuelles qu'on peut vous transmettre par le stream, donc plutôt des sculptures, des peintures, du dessin, de la gravure, enfin toutes ces choses-là qu'on peut regarder, commenter, on peut. Attends, je rigole, mais 9 messages, c'était pas du tout du spam. Alors, As-tu crié? Thomas Tojuls, je crois que l'automode ou le robot, je peux pas vraiment le gérer vu que j'essaye de fermer le maximum de fenêtres. Parce nous, on en ouvre beaucoup pour Chronologie. Et du coup, il est beaucoup plus vénère que chez. Voilà, il est beaucoup plus vénère que chez Petit Cancanou. Là, si c'est fermeture de stream, on est à l'attaque, quoi. Enfin, là, c'est les robots surtout. Ouais, les robots, ils sont un peu méchants ici. Là, c'est un peu trop haut. Il est encore plus vénère, oui, exactement, ouais. Du coup, donc, coucou Castor. Salut. Donc, du coup, J'ai pas fini de manger, hein. J'espère que vous avez bien mangé. donc, ce que je disais, parce qu'on m'a dit de faire la présentation pendant qu'il finissait de manger, mais on me coupe. Donc, je vous disais, pratique histoire de l'art, donc plutôt ce qu'on a mis dans de l'art visuel qu'on peut vous transmettre. Donc, ça veut dire que, par exemple, on ne va pas parler d'artistes musiciennes ou d'artistes qui ont fait, je sais pas, de la poésie ou des choses comme ça, puisque voilà, on voulait partager vraiment des choses qu'on peut aller chercher sur Internet et regarder ensemble plutôt que vous lire encore des choses supplémentaires, bien que mes talents d'oratrice soient certains. Dans les autres biais, donc, je vais vous parler un petit peu de la manière dont on travaille sur ce stream. Donc, on est parti à la base de trois ou quatre noms d'artistes femmes dont on se souvenait, donc qui nous popaient comme ça dans l'esprit. Et on est allé chercher leur nom sur Wikipédia, qui est pour nous le premier filtre où on voit un peu déjà qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible, quelles sont les pages complètes, pas complètes. Donc on s'est dit, voilà, c'est un peu le premier truc qui tombe, on va chercher un nom. Normalement, la page Wikipédia, elle suit direct, donc c'était aussi pour voir les gaps qu'il y avait par rapport à ça. Donc on est allé voir les pages Wikipédia, et puis on a exploré un peu la pratique, comment l'artiste avait commencé à travailler. Les études ou non qu'elles avaient faites. Et on a donc décidé d'ouvrir une frise chronologique qui est classée par centaines d'années. Et en fait, de placer sur cette frise l'année de première, enfin, la date de monstration. Donc, qu'est-ce que la date de monstration? C'est le moment où l'artiste a été visible pour la première fois. À une échelle publique, donc pas. On est parti du principe que voilà, si c'était une sculpture montrée à son prof, on ne le mettait pas nécessairement comme une première monstration, sauf si c'est l'unique chose qui s'est passée dans sa carrière, quoi. C'est-à-dire que voilà, elle a montré son travail à un prof ou à une salle avec 10 personnes, ça, on peut le prendre en compte. On a souvent des débats sur la question de la date de monstration, parce que des fois c'est moins clair et donc on en discute. Et on demande aussi au chat de nous dire ce que vous en pensez en général pour essayer de trancher. Voilà. Et donc au niveau des dates, on part de l'Antiquité. On a ouvert l'Antiquité il n'y a pas longtemps, donc on part de l'Antiquité. Et on va jusque. Voilà, ça c'était le débat de la semaine dernière.
On était à la base sur la date maximum qui était 1960 et on a discuté la semaine dernière d'élargir de 20 ans cette date de fin puisque c'était... En fait, ça a permis... Enfin, cette date dans les années 60 ne permettait pas de mettre en avant des parcours... notamment de femmes artistes noires, par exemple, dues à la ségrégation en Amérique, etc. Enfin, des parcours qu'on n'aurait peut-être pas vus, pas trouvés. Donc on s'est dit, on élargit avec quand même ce bémol que moi j'avais, qui était que si on est une artiste née en 1960, qu'on a une carrière fulgurante et qu'on expose pour la première fois à 18 ans, donc du coup on est quand même sur la frise dans ce prisme-là. Donc à voir, voilà, ça c'est encore un truc à affiner. En tout cas, on a... élargi jusqu'en 1980, 81, bon ça va, ça dépendra. Voilà, pour le petit ensuite débrief de qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez trouver les informations, où, à quel moment, etc. Donc la phase 1 c'est le live de ce soir, enfin de tous les jeudis soirs, où on découvre des nouveaux profils d'artistes qu'on met sur la frise, etc. comme je vous ai expliqué. En même temps que tout ça se passe, vous avez donc le Twitter, vous avez un petit bandeau qui défile tout en haut du stream à gauche de 13 bis qui fait un peu le bandeau promotionnel de tout ce que vous avez. Donc le Twitter, at 13 bis 2, qui permet de retrouver en live les artistes dont on parle. Donc voilà, il y a le nom qui est mis avec le lien vers la page Wikipédia. Donc ça se passe en même temps que vous regardez, plus ou moins, hein, bien sûr. Des fois, il y a un petit décalage, mais on essaye. Cucu, petit quinquanou, t'as raté la tête de Nina sur le stream. Et elle a un peu dansé. Et moi qui mange. Et voilà, et 13 bis qui mange. Du coup, donc, je disais... Le Twitter, une fois que le stream est passé, vous l'avez en replay sur Twitch. Et une fois que ce délai est à nouveau passé, vous avez les vidéos qui sont uploadées sur le YouTube. Donc vous pouvez retrouver les épisodes. Ah, c'est à partir du... Là, on est au 13, 14. Voilà, 13 ou 14. Et toutes les On ressources va regarder. de... On va regarder en même temps. Et donc les ressources des femmes artistes qu'on a pu découvrir au fur et à mesure des lives et qui sont dans le YouTube, etc., avec les liens Wikipédia et tout, sont à retrouver sur le Framapad. Que Petit Cancanou ou Nibbler va sans doute faire la commande pour que vous la connaissiez, Tout qui est à fait. point d'exclamation Framapad. Donc Je le je fais. rappelle que le Framapad, justement, il est mis à jour par rapport au replay et uniquement au replay. Alors c'est Frama. Ah voilà, bah oui, mais c'est moi, j'ai pas l'habitude de le faire, désolé. Désolé. Du coup, c'est Frama. En faisant le Frama, vous avez accès à la plupart Voilà. des femmes qu'on a vues en replay. Donc celles qui sont officiellement dans les vidéos replay, qui ont été du coup retrouvées par nos soins et mises dans la frise. Du coup, il y a bien entendu à peu près 12 épisodes en moins. Dessus, ce qui est normal, parce qu'on met à jour par rapport au replay pour les épisodes qui sont sur YouTube. Donc nous, on est au 25, eux, ils en sont au 14, voilà, vous êtes dans l'exclusivité, c'est la fête. C'est aussi des ressources qui sont intéressantes à des moments où on bug, notamment le running gag des deux derniers épisodes a été de lire en début de stream la même biographie d'une femme artiste, puisqu'on avait oublié qu'on n'avait pas fermé l'onglet, donc c'était un peu, ça se remettait automatiquement, et donc tout début de chaque stream, on se disait, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu, et donc il fallait rechercher, voilà, donc ça peut permettre de gagner du temps, d'aller chercher sur le Framapad ou sur le Twitter, de voir, ah, effectivement, Voilà. nous avons déjà lu cette page Wikipédia, voilà. Et donc du coup, ça vous permet en plus d'avoir du coup la liste entre guillemets officielle de ce qui a été fait, bon, il y a 12 épisodes. Mais de pouvoir aussi spécifier si vous avez des rajouts en plus, vous savez à peu près où on en est. Là, on fait à chaque fois en début et en fin de stream un récapitulatif de la frise en elle-même. Donc, il y a la mise à jour, bien entendu, que nous on a fait pendant ces 12 épisodes, mais il y a aussi du coup celui de l'épisode qui est arrivé et qui est aussi compensé par Twitter. Enfin, voilà, c'est.
Change de device. Ok, t'inquiète pas, hein, de toute façon, c'est le soir, hein, c'est la soirée des soucis avec la technologie. Donc, pas tout, on est, pas voilà, de sous-sous, comme on dit. Ce soir, on est ouvert d'esprit sur le non-fonctionnement des, alors, des devices. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis en pause exprès. Bonjour, hein, Castor. en fait, c'est censé être petit. Je vais peut-être déplacer ça et je vais dire bonjour à, bon, on va dire bonjour à Tomato, comme ça, hop. Ah non, mais c'est pas Tomato ça. Tomato, ah oui, c'était t'étais troisième, je crois. Ouais, c'est juste après. C'est ça. Non. Mais non. On redit bonjour à tout le monde. Voilà, bah, du coup, c'est dommage parce que c'est pas Reveal. Attends, ça doit être celui-là. Oui, voilà. Donc c'est en très grand, mais normalement c'est censé être petit. J'avais pas corrigé ça. Donc on est toujours hein, sur le Road to 50, hein, c'est bon. Magnifique. C'est bon. Alors je sais pas si c'est la mise à jour... Ah oui, non, parce que je viens de cliquer 15 fois, donc en fait ça... Ah mince. C'est faux, du coup, maintenant je vais devoir le mettre à jour, hein, tout ça, ouais. Ouais. Non, ouais, mais sachant que, évidemment, bien évidemment, que nous attendons le Road to 50 pour vous balancer des emotes magnifiques, parce que c'est un peu notre passion. Ouais. Passion. Donc, tu passes devant quoi? Ah, tu passes devant rien, c'est l'humour de... Alors, le mort de 13 bis. Non, mais dans ce cas-là, faut m'aider à corriger, hein, c'est ça le truc, hein. Ok. Si j'ai l'humour de papa, ok. Ok, bon. J'accepte pas, je trouve pas ça rigolo. Donc du coup, est-ce que tu montres la frise à nos amis? Ça me fait gollerie que ce soit énorme. Moi j'aime bien que ce soit gros, ça ouais, remercie les gens de manière... Non mais en fait tu passes devant, en fait c'est juste passe devant, tu ouvres la voie quoi. Ok. Je vais enlever la promo parce qu'on va peut-être arrêter la promo à un moment, bref. Bah non, tu peux laisser tout le temps. Oui, pendant la récap. Alors. Donc on a, comme on a dit au départ, on est plus haut là, tu as mis 1500, mais quel petit joueur, nous sommes beaucoup plus... Voilà, nous sommes avant. Nous commençons la frise avec le premier siècle qui est moins 100, 0, qui est l'Antiquité, avec Yaya de Cyzicus, qui est la seule artiste de l'Antiquité que nous avons pu placer, puisque les autres qui sont Timarété, Irénée, Calypso, Olympia et Aristarété, malheureusement, on n'a pas pu savoir leur date de première monstration, donc nous avons mis dans Manque de ressources, qui est cet énorme pavé de noms rouges, qui sont les choses qu'on n'a pas éclaircies au fur et à mesure des streams, donc c'est toutes les artistes qui ne sont pas dans la frise. Mais qui peuvent l'être si sources supplémentaires il y a. Et à gauche, la liste des noms en blanc, c'est toutes les personnalités qu'on trouvait intéressantes à noter, même si on ne les explore pas pendant le stream. Oui, et en même temps, c'est toutes les artistes qui ne sont pas visuelles. Donc du coup, comme on disait, on est focalisé sur le visuel parce qu'on est sur Twitch. Là, l'idée, c'est du coup de garder quand même une sorte de liste de fans qu'on a vus qui sont des artistes ou autres qui ont des statuts scientifiques, chercheurs, chercheuses voilà, plutôt. Et donc, on fait un gros jump dans le temps entre 0 et 1500. On va pas le faire. Non, parce que je me rappelle de 1900. Je me rappelle de 1800. On va pas le faire une à une. Je te le précise. Voilà, fait par siècle. Oui, non, mais c'était juste pour dire qu'il y a un gap de temps, puis après, c'est un peu plus linéaire. Mais voilà. Non, non, parce que je t'ai vu arriver. Hein. Je t'ai vu arriver. Donc 1700. Et alors on a peu de personnes pour l'instant en 1700. Mm. Mais on arrive après à 1800 où on a pas mal de monde. Je vous laisse regarder doucement mais sûrement. 1800 et 1900 en même temps d'ailleurs, comme ça. Oui, mais 1900 on cache un peu avec la caméra. Ah oui, mais oui. Donc ça, c'est le travail de 25. 25 épisodes. 25 heures x 2. 50 heures. Ouais. Du coup. 50 heures de travail. Hein. 50 heures de lecture, 50 heures de traduction simultanée, bien entendu. Pas 50 heures, faut pas. Traduction simultanée, de mauvais accent sur les noms, d'apprendre comment on prononce les noms en turc. Grâce à Sound of Text. Voilà, c'est des choses, des moments de passion. C'est là que nous avons appris aussi que 13 bis parlait couramment russe, bien grâce entendu. Grâce à Rilwan, on a appris ça. Bien entendu. Rilwan, tu nous manques, coeur. Reviens. Dans notre cœur. Reviens. Représente. Voilà.
Et donc, la dernière fois qu'on a demandé à Riwan de revenir en stream, il est revenu sans savoir qu'on l'avait appelé. Donc, Ouais, du coup, grave. c'était On un, l'a ça faisait un invoqué, peu il est peur. venu. On a invoqué Riwan, il est venu. Donc, bref. Voilà. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que... Alors, je vais vous montrer par qui on a commencé. Comme ça, vous allez comprendre aussi pourquoi, sur les artistes, il y a des discussions. On a commencé par Delia Derbyshire, qui est une artiste musicienne. Et ça sera... c'est la seule musicienne de la liste. Hein. Parce que c'était aussi, pour expliquer le truc, c'était une des femmes pour laquelle moi je voulais avoir un peu de son suivi Wikipédia. Qu'on a beaucoup écouté aussi au Et début dans qu'on les premiers avait, streams, ouais. voilà, et qu'on a écouté en fond, parce que c'est entre guillemets libre de droit. Twitch ne le considère pas comme DMC agressif, quoi. Voilà. Et depuis, on est passé sur de la lofi, Et parce que là, on est c'est sur de la vachement lofi. bien. Alors, ouais, du coup, j'ai vu qu'il y avait qu'il y avait un OST spécial cyberpunk en royalty free, copyright free et DMC free, DMCA free, enfin bref, tout. Donc si vous me trouvez l'OST de cyberpunk, je la mets. Je n'en peux plus d'écouter. D'ailleurs, j'ai pas les écouteurs pour vous montrer à quel point j'en peux plus d'écouter du Luffy. Voilà. Oui, et c'est l'exception qui confirme la règle exactement. Du coup, sinon, je vais vous montrer du coup comment ça se déroule du côté de Google, parce qu'on utilise Google pour sauvegarder nos trucs. Alors, est-ce qu'il va le faire apparaître tout de suite? On va voir grâce à ce petit nouvel onglet. Oui. Hop. Donc là, on est face au Framapad que je vais mettre à jour. Je vais le mettre à jour par rapport à la vidéo YouTube que je vais vous montrer tout de suite. Comme ça, au moins. On a fini, entre guillemets, de faire un topo sur toute la frise, là où on en était et tout, parce que je me doute que Tomato et Castor sont intéressés par savoir comment ça s'est passé. Du coup, on en est au 14, vous pouvez voir donc du coup du people, il y a la playlist, hein, bien entendu, spécifique à Chronologie des femmes artistes ici, et Petit Cancanou qui fait le travail, bienvenue et merci encore d'être là. Alors, je tiens à préciser que les. Parce que 13 bis ne le fait pas, les miniatures, le détourage des portraits de femmes sont faits Avec grâce au amour. talent de 13 bis, Faut bien pas dire entendu. ça, je le fais à l'arrache. Je le Moi, fais je comme. trouve, que la régularité des bordures blanches fait que, franchement, à certains endroits, on sait très bien. Ouais? Oui, moi, je trouve que c'est très très bien. C'est exactement moi, c'est ça que je veux dire? Ouais, et donc c'est en plus c'est bien, tu vois, il y a une composition des visages, des regards et tout qui est quand même très bien. J'essaie de tuer l'algorithme en fait de YouTube parce que vu qu'apparemment il cherche les têtes, j'en mets. Mais D'accord, du coup, ouais. en plus, c'est bien parce que ça permet de montrer aussi les artistes qui travaillent. J'essaie de faire en sorte qu'elles soient toutes là. En général, on fait 4 et 5, donc c'est très bien. 4, c'est un peu trop, peu, mais 5, c'est pile. Et 6, c'est trop. Et en fait, je crois que le 13, il y avait du people. Et du coup, j'ai pas pu mettre tout le monde. Ah. Mais 14, ça allait. Voilà. Donc du coup, je vais mettre à jour là, le Framapad avec le 14 tout de suite. Et je vais Il y a te des gens qui laisser regardent, hein? commencer. Il y a des gens qui regardent les vidéos, c'est fou. Bah ouais, oui, surtout... 5 vues sur Chipstream Jet Set Radio 4 partie 1. Alors, Jet Set Radio, j'ai toujours pas compris pourquoi, Il y mais a, ça a du comment? succès, apparemment. Voilà, on aime bien voir... Qu'on a une chaîne YouTube avec des 4 vues, 3 vues, 6 vues, c'est magnifique. Ouais, et surtout personne pour regarder en vrai. J'ai triché sur les tags et tout, c'est une folie ce qui s'est passé. Bref, je vous remets du coup, alors, là où on était, je vous zoome aussi. Donc là on était sur de l'anglais, peut-être qu'on va commencer par du français pour être un peu sympa. Oui. Alors là, on aborde, en fait, ce que je ne vous ai pas expliqué aussi, juste pour refaire, c'est que comme on fait que ouvrir des pages Wikipédia, on clique sur des liens d'artistes femmes qu'on trouve dans les pages Wikipédia, et donc souvent ça nous amène sur des explorations de parfois un ou deux épisodes sur par exemple des artistes peintres. La dernière fois on a eu des peintres et sculptrices turques. Il y a eu un moment on était sur les artistes russes des années 20, et là on revient sur des artistes qu'on avait ouverts il y a plusieurs semaines, mais qui sont plutôt des photographes américaines. A priori. Donc voilà, c'est énorme. Enfin, des fois, on a vraiment des percées, on va dire, soit dans des techniques très particulières, soit dans des endroits du monde. Bah, on revient de la Turquie là déjà. Voilà, là, on est revenu de la Turquie Alors, on a un peu et de Turquie plutôt.
faut, parce que c'est pas tout le monde. Ouais, non, mais voilà, donc là, on explore la suite. Parfois, les 100 pages. Ah oui, les 100 pages, bah oui. Les 100 pages sans information, et on, des fois, on essaye d'être, de chercher plus loin que la page Wikipédia. On ouvre Wikipédia dans plusieurs langues, on essaye de deviner les langues. Oui, mais la dernière fois, on a quand même essayé de lire du catalan, tout ça, enfin, on fait des efforts, quoi. Un peu. Vous avez des architectes, ça compte dans les arts visuels. Alors... c'était une question, c'était une grande question. Architectes et les designers... Je sais pourquoi tu demandes ça, Castor, et je suis d'accord avec toi. Mais... Les architectes et les designereux, designers femmes, ainsi que par exemple des femmes qui feraient des jouets, nous avons eu aussi cette problématique, c'est un grand débat sur lequel j'ai toujours réussi à faire infléchir 13 bis, puisqu'il m'a laissé gagner dans ce duel acharné. Alors, j'avoue que la dernière fois ça m'a un peu fait mal, parce que c'était sur les designers. Oui, non, en fait, le truc, c'est que... Il n'y a pas de bon truc, mais comme on était parti sur des... Moi, en fait, j'avais la vision de l'histoire de l'art. Avec et un grand art. Voilà. C'est ça le problème. Il y avait Beaux-Arts, et Art Déco, et donc après, ça se floute, mais moi, j'ai dit, bah oui, mais peinture, sculpture, photo, gravure, etc., voilà. On a déjà pas mal de choses, donc si en plus, on rajoute... les designers, les architectes, les meufs qui ont fait des papiers peints, les meufs qui ont fait... J'exagère, mais... Non, mais oui, t'as raison, mais moi, je suis archi pour... Mais après, c'est pas... Mais après, c'est vrai que... Mais à coup de pas, parce qu'on a... Je suis vénère, mais c'est pas grave. On a aussi... Par exemple, on a inclus des femmes qui faisaient qui faisaient des... Plutôt des... Des céramiques. De la céramique, ouais. Donc, il y en a qui ont fait beaucoup de tasses, de trucs comme ça, mais c'était des artistes qui utilisaient ça de manière traditionnelle parce que c'était une technique reproduite, etc. Donc, pour moi, c'était pas exactement pareil, mais bon. Voilà. Alors, Castor nous dit, en fait, les architectes sortent des Beaux-Arts jusque dans les années 80. Et oui, la séparation des Beaux-Arts et des Arts Déco, tu parlerais de ça. Ça fait partie de la discussion aussi. Donc pas les arts textiles non plus, alors. Non. Malheureusement, non. Ah non, mais on a des débats sans fin, puisque la dernière fois, par exemple, on a ajouté dans la frise Sarah Bernard. Oui, je me suis battu un peu. Hein. Voilà, grosse tollée, parce que bon, Sarah Bernard, c'est pas... elle a fait de la peinture et de la sculpture, mais elle n'est pas vraiment connue pour ça, donc du coup... voilà, c'est un débat régulier. Hein. Petit Coquenou pourra en témoigner, nous faillitons souvent sur ça. Je pense que, en fait, ça change rien sur le principe, parce qu'il y a... Dans le principe, en fait, c'est pas des personnes qu'on met de côté et qu'on n'écrit pas du tout sur la frise. Elles font partie du côté qu'on met pas dans la frise à proprement parler physiquement, mais qui sont partie de l'objet frise, si vous avez vu bien tout à l'heure. Elles font partie de la liste, en fait, là-haut. Et en vrai, elles sont là. Elles sont juste là. Elles sont rangées par cursus, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'elles sont là, mais pas encore mises dans la frise. Donc, j'ai abdiqué quelques secondes, mais je compte revenir. Quelques secondes d'inadvertance et... La bataille n'est pas finie, comme on dit. Non, mais après, on se garde aussi... On se garde aussi sous le coude des choses qu'on développera à un autre moment, plus tard, autrement. Oui, alors, voilà, on avait parlé de hors-série, chose qu'on n'a pas encore fait, voire qu'on n'aura pas fait pendant les vacances, j'imagine. Donc du coup, ça fera partie de exactement, c'est ça. Les outsiders prêtes à s'incruster, elles veulent y arriver. Et on leur dit, attendez, patientez encore un peu, on n'est pas prêts. Mais les hors-séries... les hors-série, le truc, c'est qu'il faut les préparer et il faut trouver le temps pour faire intercaler un autre stream. Voilà, et sachant que aussi je suis noob dans Twitch et que du coup, si moi-même je lance un Twitch toute seule, je pense que je fais tout bugger et que je casse le stream. Tu me fais rire à dire un Twitch. Alors, tu peux appeler ça plein d'autres trucs, hein, une diffusion. Quoi, je casse le Twitch, je dis non, ça. T'as dit un Twitch, je lance un Twitch. Je lance un Twitch. Donc, c'est comme si lancer des Twix, sauf que c'est des Twitch. C'est la même chose. Oui, un live, c'est pareil. Bon,
Du coup, hors série, ça arrive, hein, ça arrivera. Il faut juste Ouais, faut se préparer. qu'on, voilà, qu'on D'ailleurs, soit. en parlant d'hors série, y a un film qui s'appelle Paula, qui est sorti de Sur Paula ce Paula Manderson-Backer, qui est d'ailleurs une artiste qu'on a vue dans le dernier épisode, enfin l'épisode qui est sorti là, sur YouTube, et du coup qui est un film allemand, et apparemment très bien. Donc je compte le regarder. C'est dommage que Amazon est une plateforme de diffusion et qu'on peut pas envoyer des flux de films qui sont potentiellement sur le truc de Amazon Prime. Donc oui, bah on va en faire des spin-offs. En fait, c'est un peu plus ou moins des spin-offs. Hein. L'histoire de ramener du monde dans le stream, c'est un peu ça. Bah, je suis presque prêt. Je crois que de Twitter est Ouais. ouvert. Tout est bon. Bah du coup, allez, je vais commencer pendant que tu finis tout ça à découvrir la première artiste qui est donc Hélène Levitt, qui est donc photographe documentaire et portraitiste américaine, qui est née en 1913 et qui est morte en 2009 à New York. Du coup, Je vais baisser les films. oui. Donc, elle a grandi à Brooklyn, abandonnant l'école. Donc, elle va apprendre la photographie par elle-même en travaillant avec un photographe commercial. Elle va enseigner l'art à des enfants en 1937. Alors qu'elle enseigne les arts des enfants. Ah, ok. Elle est intriguée par le caractère éphémère des dessins à la craie, qui sont à cette époque partie intégrante de la culture des gamins des rues de New York. Elle va acheter un Leica et commencer donc à photographier ses dessins dans les rues et avec aussi les enfants qui font les dessins. Et donc ces photographies vont rencontrer le succès lorsqu'elles vont être publiées en 1987 dans The Street Chalk Drawing and Message New York City. In the street, c'est ça. Ouais, 1938-1948. Cet ouvrage fut désigné comme l'un des 100 meilleurs livres de photos et sa première édition est aujourd'hui recherchée par les collectionneurs. Alors là, par exemple, typiquement, si la date de première date de publication, si on trouve rien avant 1987, on est dans le caca. Mais on va continuer. Elle étudie avec Walker Evans, qui est un nom qu'on a Ouais, déjà rencontré je plusieurs fois. En 1939 et 19... en 1938 et 39, en 1943, Edward Steichen au Musée of Modern Art est commissaire de sa première exposition individuelle. Ah bah voilà, 1943, première expo individuelle. Après quoi, elle trouva un emploi de photographe documentaire pour la presse. Fin des années 40, elle va avoir brièvement une carrière de réalisatrice de cinéma. Elle va travailler avec James Agee, je sais pas comment on dit. Adj. Adj. Il n'y a pas de il y a pas de if, hein. C'est C'est AG2E. Agee. AG12. Avec lequel elle tourne un court-métrage artistique qui s'appelle In the Street. En 1959 et 1960, elle va recevoir deux bourses de la Fondation Guggenheim pour prendre des clichés en couleur des rues de New York. Mais une bonne partie de son travail est volée lors d'un cambriolage. Les photos restantes et d'autres prises dans les années suivantes sont publiées dans Slideshow, The Color Photographs of Helen Levitt, en mai 2005. Son premier ouvrage important est A Way of Seeing en 1965. Donc après, ils disent quoi? Elle devient photographie fellow du National Endowment of the Art, que je connais pas. Et elle est restée active pendant près de 70 ans près de New York où elle menait une vie discrète. Et elle va décédaille à 95 ans. Bon, après, il y a les publications en anglais, en espagnol. Il y a des ISBN si vous êtes intéressé. Attendez, parce que je vais redéplacer un peu le micro, Oui, histoire pardon, je qu'on puisse être à monopolisais deux. la parole. Non, mais qu'on puisse être à deux à être entendu, parce que sinon, c'est compliqué. Bon, ça, c'est pas une page Wikipédia, par exemple, par rapport à ce qu'on a lu, c'est une page Wikipédia lambda qui nous donne le minimum d'informations requises, mais qui est pas mal pour se rendre compte brièvement d'une carrière. Des fois, on tombe sur des pages qui sont Bah, c'est dit en même. réécrites par un. Comment dire, par Par quelqu'un un. qui avait envie d'écrire un roman sur l'artiste mais qui ne l'a pas fait, et donc du coup c'est trop horrible et on lit pendant C'est des espèces de magnifique, hein. phrases improbables. C'est magnifique. Ces pages-là, elles sont incroyables. Il y a, en plus, ce qui est marrant, c'est que. Bon, bref, il y a des phases que Wikipédia n'accepterait pas, quoi.
Et du coup, je pense que ces photos, elles sont très connues parce que... Oui, elles sont très connues, on va regarder justement. Mais le 1943, c'est ça que t'avais dit ? Première expo, 1943, ouais. Ok, on se garde ça en tête. Donc cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Si vous êtes... Alors nous, j'ai créé un Wikipédia pour Trisbis, mais je mets juste les noms qu'on a faits pour éviter de tomber 15 fois dessus. Mais n'hésitez pas à noter aussi si celles qui n'ont pas de source, peut-être que ça pourrait être intéressant, ou celles qui ne sont pas suffisamment sourcées pour tous les prochains hackathons... Comment s'appelle les hackathons jam d'attaque... Hackathons jam... D'attaque féministe. N'hésitez pas. Alors, Hélène Lévite, on regarde vite fait. Ah bah, il y aura aussi Aware, hein, si on veut regarder... ah oui, les photos... Ah non, mais les photos... Ah, c'est les street photos... Donc ça, c'est encore les... C'est encore... Bah, c'est les street photos des gamins de New York, en fait, hein, avec les dessins. Tiens, il y a Aware, on va aller directement sur Aware. Aware qui est officiellement dans tous les replays, d'ailleurs, en tant que ressource. Alors qu'on n'utilise pas tout le temps, mais... Moi, ça, je crois que j'ai jamais vu ces photos, mais... 1940. Alors, si vous connaissez des gens qui font de la street photographie, moi, je prends actuellement, je parle. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Autre que, par exemple, que des Instagrammeurs slash, hein, mais... des gens qui font aussi de l'analogue, les deux, quoi. C'est marrant comme couleur. Enfin, c'est les voitures qui sont très colorées, mais 1960, c'est 60 ou 80, non, 80. Ah oui, donc c'est normal, parce que ça fait très récent comme photo, je trouve. Ah, ok, oui, il n'y a pas grand-chose non plus. Hein, bah là, sur Aware, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, on l'a vu. Il y a la photo là en dessous, avec le dessin à la craie du... des enfants. Ouais. Très beau dessin. Magnifique. On pourrait agrandir. Attends, ça c'est Leica Photographie International. Du coup, elle utilise un Leica, c'est ça? Ouais, elle a acheté un Leica, ouais, il disait. C'est un style de photo. En fait, c'est marrant parce que le truc de la pointe de Leica, c'est un peu compliqué à prendre en main rapidement. Je l'avais expliqué déjà la dernière fois ou pas? Je crois pas, je sais pas. En fait, on n'a pas fait de point sur la photo, je crois. Alors, il y a plusieurs systèmes de mise au point sur les appareils photo. Le Leica, c'est avec une superposition de l'image pour pouvoir être sûr de la mise au point. Donc c'est un peu plus compliqué, t'as deux ouvertures en fait, t'as une ouverture qui prend juste pour la superposition, donc du coup l'image directe de l'œil, et donc du coup c'est à cet endroit-là où t'as la superposition qui s'organise. C'est pas le direct avec le miroir, et tu vois exactement ce que tu modifies dans ton objectif, qui est le miroir simplifié, on va dire, je sais pas exactement. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué, hein, quand on a jamais, mais même à faire quand on a jamais eu ça, c'est, on sait, enfin moi je sais que 13bis m'a montré, et en fait c'est hyper dur de comprendre ce qu'on doit faire quand on n'a pas l'habitude. Je vais vous montrer. Il me disait oui, il faut superposer les deux images. J'étais là genre bah qu'est-ce qu'il faut regarder, je comprends pas. Et du coup c'est un peu une autre manière que la manière dont on fait d'habitude, qui est juste de faire la mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette, quoi. Quand c'est pas une mise au point automatique, hein, je veux dire, bien sûr. Oui, parce que si c'est automatique, c'est beaucoup plus simple, de toutes les manières. Donc en fait, l'idée, c'est, vous allez voir... Alors j'ai acheté un super truc qui s'appelle un Kiev, qui est en fait... un outil d'après-guerre. C'était pendant la guerre. Leica a été construit, enfin la plupart des Leica ont été construits dans un truc qui s'appelle les usines de Contax en Allemagne. Et en fait, pendant la guerre, hein, je vous fais pas un dessin, c'était des nazis. Et du coup, ça a été récupéré par les Russes qui ont fait de la copie de Leica. Et donc du coup, en fait, j'ai une sorte de petit appareil qui ressemble à un Leica,
Donc là, il y a, ça c'est l'objectif œil. Donc ça c'est l'objectif où on a directement l'image de ce qu'on voit, quoi. Et là, on a l'ouverture qui fait la superposition. Donc en fait, si je modifie par exemple la mise au point, c'est ici, ça, je peux le faire aussi directement sur le truc, mais je le verrai pas dans l'œil. Je le verrai pas non plus ici, mais je verrai au moment de la superposition des deux. De voir la distance en fait, et en fait c'est au moment où c'est plus flou que c'est la bonne mise au point. C'est ce que vous visez. Comme d'habitude, mais du coup, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, parce que dans la street photographie, c'est quand même une question de vitesse, et du coup, le direct dans l'œil, l'objectif, il fait directement comme ça, si vous l'avez directement dans l'œil. Là, il faut avoir l'habitude d'avoir les deux aussi, mais c'est une habitude de style de photo, je pense, hein, clairement. Je suis trop prêt. Oui. Excusez-moi, madame. Merci. On continue. C'était un peu trop long comme notre rapport technique, je pense. Mais c'est pourquoi Marvin Oshino, c'est quoi? Ah oui, c'est à propos. C'est lui qui a écrit. Ouais, je pense, ouais. Ok. Ok, donc Hélène Levitt. Est-ce qu'il y en a des biens ou pas, des rigolotes? Bah, il y a celle-là, ouais. Celle-ci? Avec les Spring Girls. Sinon, il y a les poules, parce qu'ils sont marrants. Il y a vraiment une ambiance aussi photo de New York dans le street, la street photographie. Ouais, non, mais c'est trop bien. C'est un style à part entière. Hein. En fait, je sais plus le terme du. Je vais essayer de regarder aussi. Je me rappelle plus le terme du. C'est un double. Je vais regarder, je vous le dirai. Mais c'est un. Ok, Hélène Levitt, c'est bon. Donc, 1943, on va mettre. Ouais. Je vois qu'on perd des frames, je sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai refusé la mise à jour au final? C'est une grande question. Alors, peut-être que ça va couper, peut-être que ça va se casser. Hein. Je vous rappelle que le stream de dimanche, il y a eu 4 coupures à cause de mon ordinateur qui a décidé de pas accepter que la mémoire était trop demandée. Enfin, bref, bah, voilà. Et celui de la semaine dernière aussi. Et la semaine dernière qui s'est passé à 2h37, 2h37 de notre chronologie. Non, pas de mise à jour finalement. Repoussage de mise à jour. Non, ça m'a énervé. Et vu que quand je m'énerve, en général, j'ai tendance à faire des trucs un peu rapidement. La mise à jour prenait énormément de temps. Je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment le time pour ça? Non. En plus, c'est la mise à jour de l'enfer, là, de la cumulative de Windows. La cumulative de Windows, je sais même pas s'ils l'ont corrigé, donc je me suis dit, au cas où, non. Et en fait, c'était juste pour corriger le problème de gestion de mémoire, parce que je pense que c'est ça. Vu que le code d'erreur c'était ça. Et en fait j'ai essayé de passer aussi le modem parce qu'il est en USB là. Je voulais le passer en Ethernet mais ça n'a pas marché non plus. Enfin bref. Il y a des protocoles bizarres. Bref. Voilà, je vous embête pas plus que ça. Il faut que tu trouves le nom de l'artiste. Hein. C'est ce que tu en train de chercher. Je l'ai en tête en fait. C'est juste que je sais plus ce que je faisais. Je me suis raté l'œil et j'ai perdu. J'ai perdu mon œil. Tout simplement. Donc il y a toujours les petits réglages de la frise. On essaye de faire un minimum. Alors je précise toujours, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être qui ont plus le compas dans l'œil actuellement sur le chat que nous, mais je ne fais ça que à l'arrache. Le but ce n'est pas de faire quelque chose, c'est de rentrer des noms. On rentre des noms et après on fera des petits trucs de gestion de bouteille. Bah voilà. Alors, elle, c'est une critique américaine. Une critique de la photographie. It's not a photographe. It's not a photograph. Okay. Mais par contre, on peut peut-être trouver des noms d'artistes qu'elle a rencontrés par cette page. Ce qui est un peu non conventionnel par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais... Alors, je regarde les noms. Hein. Pour l'instant, il n'y a que des hommes. Ça parle de Ansel Adams. C'est pas il y a Gwendoline Knight en bas là. Mais elle a pas une page en français. Est-ce que ce serait pas Laura Knight qui est ouverte là juste avant? Non, c'est peut-être pas la même, parce que c'est pas la même époque. Oui, ça fait mal. Alors moi j'ai essayé dans le genou, c'est compliqué. Hein. Un peintre afro-américain. Je regarde. Je
J'étais en train de picoter, je me dis, mais pourquoi une petite compagnie a fait des appels? Je me suis dit, ok, tu fais ton travail, merci d'être là. Ouais, bah du coup, à part Ilya Bolotovsky aussi, je pense que... Ilya, c'est avant, où, je à côté de Gwendoline Knight. Ah oui, Ilya Bolotovsky. Oh, mais on va vraiment avoir des noms qui vont jamais apparaître, en fait. Donc, Nancy Newall, critique de la photographie, si ça vous intéresse, qui était, je pense, à la même époque que... Que Hélène Levitt. Que Hélène Levitt, ouais, je pense, dans les années 30-40. Parce que c'est 1908 jusqu'à 1974, donc elle a dû la connaître. Elle écrit des essais sur l'art et la culture populaire pour des petits magazines et revues, etc., etc. Voilà. Ok. Donc la création. Oh, il n'y a pas de page. On va peut-être garder les noms, regarder peut-être directement sur Aware. Non. Si tu veux, je suis pas sûr. Mon petit chat. Petit chat. Il y a Enzo qui t'a pas vu. Qui? Petit Kankanou qui t'a pas vu, pardon. Je bug à tous les streams. Je fais au moins une fois. Il y a une version anglaise. Ah! Eh bien. Il n'y a juste pas la. Mais pourquoi il précise pas? Normalement, il nous le dit, non? Mais en fait, c'est quand c'est pas mis à jour du côté français, je pense que. Et pareil. Il y a cette. It's a man. It's a moustache. Ninouche, ouais, Ninouche, elle vient tout le temps. C'est une photographe, portraitiste et peintre française d'origine hongroise. On peut faire Rogi, hein, si tu veux. Rogi André, mais son prénom c'est Rogi. Bah oui, je suppose. Ah oui, Roselea Klein. Ok, d'accord. C'est alors. Juste que tu connais pas ce prénom, mais. Non. Donc Rogi André. Il y a un code, il y a un appel de code pour Aware, je crois. Ah. Vas-y. Pardon. D'ailleurs, je vais peut-être mettre VIP. Comme ça, au moins vous pourrez crier. Du coup, donc, Rogi André, qui est née Rosa Klein le 10 août 1900 à Budapest et qui est morte en 1970 à Paris. Elle est photographe portraitiste et peintre française d'origine hongroise. Elle fut la première épouse d'André Kertész. Et peux-tu me avancer dans la page, s'il te plaît? Merci. Donc, elle est née à Budapest, comme on a vu, père médecin et une mère au foyer, pardon. Elle est diplômée de l'école des beaux-arts de Budapest et elle a également étudié le violon. En 1925, attirée par la bohème parisienne, elle part pour Paris, comme la majorité des artistes de l'époque, qui allaient tous à Paris, où se retrouvent les grands artistes du moment et elle s'y installe. Là, elle va fréquenter la communauté hongroise dans laquelle elle rencontre des hommes politiques et des artistes. Au milieu du bouillonnement intellectuel parisien, elle se lie avec les artistes d'avant-garde, notamment les surréalistes, dont elle réalise de nombreux portraits. En 1928, elle réalise ses premières photos de nu. Faudra faire attention du coup quand on regardera son travail. En 1928, elle réalise ses premières photos de nu, considérées comme des œuvres fétichistes. En 1929, 4 ans après son arrivée à Paris, elle épouse son compatriote, le photographe André Kertész. Bon, après, elle va le taire. Ah non, il va la taire. Celui-ci va l'abandonner pour sa maîtresse, mon Dieu. Ils vont divorcer en 1932. Elle va faire la connaissance de Lisette Model, à qui elle donne les bases de la technique de prise de vue. Lisette Model, qu'on a aussi déjà rencontrée. Je crois qu'on a mis. Donc c'est Rogi qui donne les bases des techniques de prise de vue à Lisette Model et elle va l'initier à l'utilisation du Rayleflex. It's a kind of appareil photo, le Rayleflex. Rayleflex. Alors est-ce que ce serait pas oui le. Oh mon Dieu. Alors je pourrais vous sortir aussi un Rayleflex, hein, mais c'est pas le même non plus. Du moment qu'elle rencontre pas Rodin. Alors du moment où tu n'es pas sculptrice, tu ne rencontres pas Rodin. Hein. Il faut savoir que c'est vraiment si tu touches pas de la terre et que tu vas pas casser de la terre, tu ne rencontres pas Rodin. C'est sûr. Même appareil que Douaneau. Ouais, c'est la prise de vue en direct. C'est une niche. C'est, tu regardes par au-dessus. Ah oui, ce qu'il faut savoir, pour les nouvelles personnes qui sont sur ce stream, que nous avons deux trigger warnings, qui est un trigger warning Rodin, quand... Alors non, c'est pas Rodin. Qu'est-ce qu'il dit, là?
Pourquoi t'es Castor, bloqué? qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tant de symboles? Castor, tu ne peux pas mettre beaucoup d'émojis. Je peux en mettre un. Il y a un seul émoji. En plus, le pire, c'est qu'il y a trois modos robots. Hein. Je serais à préciser. Il y a Streamlabs, Nightbot qui ne s'est pas réveillé encore, et Wizbot qui va vous rendre VIP, justement. Oh. T'as mis aucun émoji, mais qu'est-ce qui se passe? T'as écrit beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être trop de ponctuation. Ah oui, il faut être rigoureux hein, sur ce stream. Hein. Un seul marque de ponctuation et un emoji par message. Hein. Attention. Nous remonter ton problème. Et donc du coup, oui, le trigger warning Rodin, c'est quand on rencontre a priori une femme artiste sculptrice dans les années 20-30, peut-être un petit peu après, on peut commencer à se dire elle va peut-être rencontrer Rodin, et là trigger warning Rodin qui couchait avec toutes les personnes qui sont passées dans son atelier, quasiment. Et l'autre trigger warning, c'est sexisme slash racisme slash tout ça, et c'est... Mais c'est pas ça, les trigger warnings. Oui. Non, mais l'autre, il y en a deux, les trigger warning. Le deuxième, c'est... voilà, il y a le trigger warning Rodin, qui est le Dame. Il y a Dame. Et l'autre, c'est... Il y a Dame... C'était Dame. Ouais, c'est ça, Dame. Il y a des trucs que j'ai enlevés. Hein. Oh. Il y a alors. Alors, c'est non, c'est spécial quand c'est trop... Ah oui, alors, c'est non, c'est non. Ouais, non, c'est non, et c'est quand c'est trop nimp. Voilà, non, c'est non. Ça, c'est... le exclamation alors, c'est quand ça va un peu trop loin, quoi. Picasso, en fait, on n'a pas encore trop croisé des femmes qui ont rencontré Picasso. Donc, du coup, on n'a pas... j'avoue qu'on n'a pas mis de trigger warning. Oui. En tout cas, on n'a pas... Ouais. Mais, écoute... Mais Rodin, c'est le pire. Pour l'instant, c'est le pire. On n'a pas encore trop l'occasion de parler... C'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de parler de Picasso. Mais il y a un début à tout, nous verrons. Bon, on continue pour faire un dérive sur des hommes. Donc, 1928, ça on a vu. Ah oui, on en était à l'utilisation du relais flex avec lequel elle sort 4 ou 5 fois. Se souviendra Lisette Model dans un entretien avec Jim McQuaid et David Tell, on s'en fiche, d'accord, pour prendre des photos dans Paris. Roger André lui transmet le conseil que lui avait donné son mari. Ne jamais photographier quelque chose pour lequel tu éprouves peu d'enthousiasme, mais seulement ce qui t'intéresse passionnément. Très bon conseil. Elle acquiert une... Ça, c'était ma voix de citation, bien sûr. Elle acquiert une certaine notoriété comme portraitiste et elle signe ses photographies sous le pseudonyme de Roger André, semble-t-il en référence au prénom de son ancien mari. Entre 1930 et 1950, elle se consacre à la production d'une vaste galerie de portraits de peintres, sculpteurs, écrivains, artistes, comptant parmi les plus remarquables de l'époque, tels que Pablo Picasso, Mayol, Derain, Kandinsky, Léger, Balthus, Le Corbusier, Crevel, tous les gens de Paris. Colette. Tous les gens de Paris. Tiens, il y a Dora. C'est qui Dora Maar? Dora Maar. Photographe et artiste peintre française. Elle rentre dans notre... Oui, elle rentre. Elle est... Oui, 97. Ouais. C'est un peu... Ouais. On verra. Normalement, donc, oui, ça peut commencer. En 1935, le photographe et théoricien de la photographie Emmanuel Souget publie dans la revue Arts et Métiers Graphiques « Deux femmes, 80 hommes », un article qui compare la photographie de Roger André à celle de Laure Albin Guillot, que nous ne connaissons pas, qui est Laure Albin Guillot, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'essaye de permettre aux personnes voulant utiliser plus de trois... d'accord. et reproche à la première de faire poser les modèles dans leur environnement. Certains critiques ont révélé dans ses portraits une influence cubiste. On verra tout à l'heure les portraits, composition géométrique grâce au jeu d'ombre et de lumière. En 1936, elle participe à l'exposition internationale de la photographie au pavillon de Marsan à Paris, dans laquelle elle présente 4 portraits. En 1937, elle figure dans la célèbre exposition Photography 1839-1937, organisée par Beaumont Newall au Musée d'Art Moderne de New York. Son travail est encore présenté dans de nombreuses expositions,
comme à la Galerie d'art et industrie ou à celle consacrée à la photographie française à Copenhague. Il n'y a pas de date, donc on ne sait pas qu'est-ce que veut dire encore présenté dans de nombreuses expositions. Bref. En 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, Rogier André a été contraint de fuir en zone libre et de se réfugier en Touraine en raison de ses origines juives. Mais peu de temps après, malgré tout, elle réussit à se cacher à Paris grâce à l'aide de la galeriste Jeanne Bucher. À partir de 1950, elle se lance dans la peinture et en 1962, alors qu'elle vit dans une extrême précarité, elle fréquente l'académie du peintre André Lotte tout en continuant à faire des travaux photographiques à la demande. Une amie, Bernadette Dufort, qui dirige un laboratoire photographique, l'aide généreusement en développant gratuitement ses négatifs et en effectuant des tirages de ses photographies. Le 11 avril 1970, Rogier André meurt à Paris, dans la pauvreté, et tous ses biens sont mis en vente à l'hôtel de Rouault. Et donc, par rapport à ses archives, alors que sont devenues ses archives? Il y a des tirages... Non, 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 je suis en train de lire. Non, mais je pensais que t'étais déjà... Là. Oui, mais du coup, t'étais trop bas. Rappelle-toi qu'il y a une caméra ici, à cet endroit-là. Donc, ces tirages, ils sont sauvés du désastre grâce aux efforts de Jean-Claude Lemagny, conservateur responsable de la photographie contemporaine au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France. Donc, elles sont à la BNF. Voilà, voilà. Du coup, donc on va sûrement voir ces galeries de portraits, etc., etc. C'est quoi ta peinture, petit cancanou? À ta peinture de chez toi, tu peins? Genre, tu peins des murs ou tu fais une vraie peinture? Ouais, tu fais des toiles. Tu veux rentrer dans la frise? C'est ça. Ouais, tu es en 2021, hein, petit cancanou, tu rentreras pas dans la frise comme ça. Hein. Il faut au moins. Bref. Donc du coup, ouais, j'ai pas lu. Castor, tu disais qu'il y avait une vente des dessins de Dora Maar chez Drouot l'année dernière. Bon, on va regarder tout à l'heure hein, ce qu'elle a fait. C'est défoncé au solvant à cette heure-ci. Est-ce que c'est vraiment des... Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Du coup, alors, je me souviens plus déjà. Il y a 1936 où elle expose à l'exposition... elle participe, pardon. À l'exposition internationale de photographie au pavillon Marsan à Paris. Et avant, voilà, il y a les galeries de portraits, mais c'est entre 1930 et 1950, donc on n'a pas trop de dates précises. Donc je pense que 1936, ça me paraît pas mal. Ouais, je pense que c'est bien. Alors du coup, pour répondre à la question de Streamlabs Bot, qui était « Pourquoi tant de symboles ?» le nombre de symboles est entre 5 et 10. Donc en fait, le truc, c'est que... Bah, c'est bizarre. Soit vous dépassez 5 et vous êtes cassé par Streamlabs, soit normalement, c'est entre 5 et 10, donc le maximum, c'est 10. Je sais pas si c'est ça, le truc, mais en tout cas, moi, j'avais mis 5. C'est des symboles, donc ça comprend les deux points, les guillemets, ah ouais. Pause et les parenthèses. Ouais, mais ils sont quand même pas très sympas. Il est quand même un peu pas très sympa. Bah, tu veux que je mette combien? 1900, c'est 1940, hein, 1936. Ah, je crois que c'était 1905, je sais pas pourquoi j'étais sur Mons. Non. Du coup, tu voudrais que je mette combien d'après toi? 36. Je sais pas, non, je sais rien en vrai. Tu t'as dit, c'est abusé, quand même. Non, mais c'est moi, juste. Moi, je trouve que c'est plutôt réglo parce que normalement, tu mets deux parenthèses. Après, c'est des petites phrases que tu mets dans le chat. Moi, je sais que par exemple, sur mon expression en tant que personne du chat, j'aurais été squeezé tellement de fois parce que je mets trois émojis, plein de ponctuations et des majuscules en même temps. Des émojis. Hein. Des émojis. Des émojis. Par contre, les kaomoji, oui, c'est compliqué. Mm. On est d'accord. Mais les kaomoji, tu peux en faire avec moins de 5 symboles non plus, hein, aussi, plutôt. Bref. C'est Rogier André. Hop, je vois que vous interagissez, je suis très content. Trois petits points, deux guillemets, t'es out alors. Eh bah ouais. Bah je sais pas en fait, je sais pas exactement, mais dites-moi hein, s'il faut un autre nombre. Sinon moi, tu mets trois, non? Mais c'est cinq, le max. Le minimum et le 10, le maximum. Ah d'accord, maximum. Ouais, bah... Donc, je sais pas. Ah oui, c'est bizarre. Ouais. Essayez, hein. Oh là là, les modos, mon dieu.
Ouais, privilège des modos, ça crie à certains lives et... Ouais, mais là, non, mais là, c'est juste la représentation du solvant dans la tête de Petit Cancanou, on sait. Hein. Je cherche un moyen de vous mettre VIP. Je vais sans doute le trouver. Donc, voilà. Ouais, du coup, est-ce que on peut regarder des photos pendant que tu essaies de... Oui. Alors, je vais essayer avec Tomato. Déjà. Et on essaye avec Castor. Je sais pas si ça fait quoi. L'utilisateur, ils disent quoi? Est désormais sur la liste des opérateurs. Alors, Waouh! opérateur, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est possible que normalement, Wizbot vous fait rien. Mais essayez de réécrire, hein, normalement, ça devrait être bon. Normalement, opérateur, c'est ceux qui sont VIP. Ou je sais pas. À moins que vous pouvez être streamer, je sais pas exactement. Je crois que c'est ça. Vous pouvez. Je vous end up, hein. Non, ça ne marche pas. Regarde. Ok, je vous enlève. Je pense que vous pouvez streamer sur 13 bis grâce à ça. Ah, c'est ça, opérateur. Ouais, ce serait par exemple moi, si j'étais opérateur, je pourrais streamer, mais. C'est ça. Ah, vous avez eu la permission pour quelque temps. Opératrice du stream. Vous étiez au-dessus de Petit Cancanou il y a 3 secondes, Aïe, aïe, aïe. Ah, vous auriez pu mettre le hein. fire Ouais. sur le stream. Un modo direct. Prise de contrôle. Prise de contrôle par le chat. La révolution est entamée. Mais au moins c'est bien parce que ça, tu vois, ça compense quelque chose que actuellement beaucoup de personnes ont envie de faire, j'imagine. Donc c'est bien. Je vous propose la révolution. Donc ça, je suppose que c'est un autoportrait. Je suppose. C'est ouais, on va aller sur. Ouais. Oui, c'est son autoportrait, j'imagine. Autoportrait. On a l'air gentil comme ça, mais en fait, on fait... Ouais, voilà. Mais c'est ça, hein. Alors ça, c'est qui? André de Rhin. Ok. Donc là, on est censé connaître... Donc ça, c'est Doramar. Ok. Je connais pas ces personnes. Qui êtes-vous? Utrillo. Maurice Utrillo. Mais je sais pas à quoi ressemblent les gens, en fait, moi. Maintenant, tu sais. Peggy Guggenheim. Ah, mais Peggy Guggenheim, c'est quelqu'un Avec Peggy qui a Guggenheim, de c'est une l'argent, non? collectionneuse, tout à fait. Moi, j'ai un livre sur Elle Peggy habite à Guggenheim. l'île Saint-Louis, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Ah, mais... Oh! Non, mais qui a cette vue? Genre, Ah, sur le... les riches, j'ai envie de te dire. Tu Waouh! sais, les pauvres, on l'a vu Tour Eiffel. Les riches, on l'a vu. Non, mais attends, la meuf, elle habite dedans, quoi. Enfin, genre... En fait, j'arrive même pas à me rendre... Si, c'est derrière, en fait, t'as la Seine qui passe et elle habite juste là, quoi. La meuf habite sur les bords de Seine, en fait. Ok. J'avoue, je suis d'accord avec toi, Castor. Eh bien, Peggy Guggenheim. J'avais un livre Par sur contre, j'aime pas du Peggy, tout mais c'est un ça. J'aime livre. pas du tout sa robe. Ça. Sa robe en plastique, là? Ouais, alors que tu vois, on voyait pas la robe d'Aura ou c'est son pantalon, je sais pas, mais. Certains restos clandestins ont cette vue. Mon Dieu! Piet Mondrian. Ah bah Mondrian non plus, je dis mais... Ah, il a bien la tête de ses peintures, remarque, Ouais, bah regarde, hein, hein. le balai dans les fesses se voit aussi. Mon Dieu, Non? t'as un peu la tête Est-ce de que ta c'est faux? peinture, Est-ce que c'est là. faux? Ah, c'est toi qui fais les traits? C'est Ah toi qui ouais, es. Hein? ok. C'est dur, hein? Franchement, c'est irrespectueux, je On est trouve. méchants. Ah, Giacometti, ok, tu vois. On dirait un acteur... Giacometti, c'est un Instagrammeur, tu regardes. De ouf. Regarde la Non mais photo c'est ouf. d'Instagram, ouais, Oh là je suis là. Giacometti. Mais il a aussi la photo de ses sculptures. La tête de ses sculptures. Ouais, alors du coup, bon, ça c'était Roger André. Je vais prendre, je crois que je Donc si on a l'ai. envie de voir à quoi ressemblaient les gens à son époque, on regarde juste les photos... Enfin, Il y on a regarde... Soutine là. Alors Soutine mort en fait, non? En train de mourir? Ou en train de fumer une clope, je sais pas trop, mais c'est très bizarre. Je remets Mara Dora, Mar. Oui, Dora Mara. Oui, pourquoi Mara? J'ai dit Mara? Oui, parce que t'as Ah, vu la j'ai mort vu la de... mort de. Ça, c'est à nouveau Le mec a trop Peggy. de références. Regardez, qui c'est? Bon, je vous ai picassoté, mais. Alors. Ah, c'est Picasso avec des cheveux? T'as jamais vu Picasso avec des cheveux? Non. T'as jamais vu Picasso jeune? Non. J'ai envie de Oh là là. Picasso sans cheveux, moi. Non, mais je veux Enfin, pas voir Picasso... je vous montre Picasso jeune quand même.
Flash de Picasso. Exactement. Moi, je connais que Picasso vieux. Oh my god! Oh! Oh mon dieu, il est mieux chauve. Hein. On dirait qu'il a un postiche. Est-ce que je l'ai tellement vu, est-ce pas que vous avez vu des films sur des serial killers? Ils ont un peu cette coupe-là. Hein. De style, il aimait torturer les gens avec des peintures et des meubles horribles. Oui. C'est un peu ça. Pardon, je vais pas me remettre moi de Picasso. Picasso, il a une tête avec pas de cheveux comme ça pour moi. Il est que mais pas de cheveux. Il est nez chauve. Il est nez chauve. Non mais en bas là, c'est choquant. Tout en bas de la page là où que vous voyez, je sais pas si vous voyez à droite et à gauche, il y a avec cheveux et sans cheveux, c'est choquant. Moi, ça me traumatise. C'est pas tué. Ah ouais, changeons de. Ah là là. Ah là là. On se moque des gens chauds, c'est triste. Ouais, on rigole beaucoup sur ce live, hein, bien sûr. On fait Dora Amar, du coup. Bah, on a mis sur la frise, on a tout fait là, on a regardé le travail. On a vu le travail, on a mis sur la frise, oui, on a fait tout. Oui, alors oui, mais ici on fait que des points Godwin. Pardon. on essaye d'éviter de temps en temps. Surtout quand on voit des hommes qui ont cette coupe. Moi, il me fait penser à l'acteur qui. Comment il s'appelle il me fait penser au Silence des Agneaux qui a été fait en série. Ok. C'est pour ça que j'ai pensé. Tu vois. Oui, t'as le droit de Godwiner ici, hein, bien entendu. C'est juste que sache. Que, étant modo chez Histoire Crépue, la plupart des trucs que je flingue en tant que modo chez Histoire Crépue se retrouvent sur ma chaîne aussi en mode tir à balles réelles dès le début. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'il y ait trois robots. Voilà. C'est au cas où il y a des petits gens qui viennent. Non, mais parce qu'en fait, il y a par exemple Twitch autorise des appels à cette personne moustachue. Apparemment d'office, c'est-à-dire automode, l'automode ne bloque pas, les robots potentiels ne bloquent pas, donc ça passe. Donc par exemple, ce genre de petit bonjour moustachu n'est pas autorisé ici. Bon, passons sur autre chose, donc la page Wikipédia de Dora Maar, qui est donc le pseudonyme d'Henriette Dora Markovitch. Qui est née en 1907 à Paris et qui est morte en 1997 dans la même ville à Paris. Et elle est donc photographe et artiste peintre française. Elle fut l'une des amantes et muses du peintre Pablo Picasso. Bah tiens, bah on en parlait, voilà. Rôle qui a longtemps occulté l'ensemble de son œuvre. Attends, c'est Rodin. En fait, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait éviter de le nommer. Comme ça, on peut faire avec tout le monde. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Eh bien, donc, découvrons cette muse de Picasso dont l'œuvre a été occultée. Alors. Bah, oui, du coup, les trigger warnings sont peut-être nécessaires. Hein, donc, ouais, on va faire des trigger warnings. Parce que connaissant Picasso et les femmes, c'est pas la folie. Alors donc, c'est donc la fille unique de Josip Marković, qui était un architecte croate, et de Louise Jolivoisin, qui n'avait pas de métier, hein, donc elle était juste originaire de Cognac et catholique. Voilà, elle n'avait pas de métier, sa mère. En 1910, donc sa famille va partir s'installer à Buenos Aires, excusez-moi. Donc on s'en fout, voilà, il va être désigné le seul architecte qui n'a pas fait fortune à Buenos Aires. Alors soyez pas choqués, il y a des trucs qu'on va sauter. Il y a des trucs qu'on se dit c'est peut-être pas intéressant, et tout le rapport intime par exemple en général c'est pas très 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 ouf. Surtout si c'est en rapport avec des placements de sexisme, par exemple. Voilà. Alors, donc en 1910, ils sont allés en Argentine. En 1926, la famille de Dora Maar revient à Paris. Et donc, ils nous disent que Dora Maar, c'est le pseudonyme qu'elle a choisi au début des années 30. Elle va suivre les cours de l'Union centrale des arts décoratifs de l'école de photographie. Il y a une note qui nous dit laquelle, puisque apparemment, du coup, il n'y a pas de précision sur quelle est l'école de la photographie. Et elle va s'inscrire également à l'Académie Julian et à l'École des Beaux-Arts, qui ont l'avantage d'offrir le même enseignement aux femmes qu'aux hommes. Alors,
Ce qui est vrai du coup en 1930, mais qui n'était pas vrai juste avant, puisque les femmes artistes qui s'inscrivaient à l'Académie Julian le faisaient parce que l'Académie des Beaux-Arts n'était pas ouverte aux femmes. Donc cette petite note est un peu étrange par rapport à ce qu'on a vu avant, mais je me souviens plus exactement l'année où justement ça a été mis en place. On avait vu dans un stream précédent l'artiste qui avait milité pour que l'Académie des Beaux-Arts ouvre aux femmes. Et c'était peut-être 1927 ou un truc comme ça, donc ça peut peut-être marcher. Bref. Elle va fréquenter l'atelier d'André Lhote où elle rencontre Henri Cartier-Bresson. L'atelier cesse ses activités et elle part seule à Barcelone, puis à Londres, où elle photographie les effets de la dépression économique consécutive à la crise boursière de 1929 aux États-Unis. À son retour à Paris, avec l'aide de son père, elle ouvre un autre atelier, rue d'Alstorg. Donc, sa carrière de photographe. Début 1930, elle installe un atelier de photographie rue Campagne Première à Paris avec Pierre Kaeffer, photographe et décorateur pour le film de Jean Epstein, La chute de la maison Usher. Elle fait la connaissance du photographe Brassailles, avec qui elle partage la chambre noire de l'atelier. Marc rencontre Louis-Victor Emmanuel Sauget, photographe travaillant pour la publicité, l'archéologie et directeur artistique du journal L'Illustration, qu'elle considère comme un mentor. Vers 1930, elle entame une liaison avec le cinéaste Louis Chavance. Elle va aussi fréquenter le groupe Octobre. Est-ce que tu peux mettre juste ce Tu qu'on travailles lise, quoi? regardez. Troupe de théâtre française d'agit-prop des années 30. Tu travailles pas ce que c'est le groupe Octobre? Non. Ah, moi, On je va n'ai regarder. aucune référence à ce moment. D'agit-prop. Donc l'agit-prop, c'est un procédé de communication politique. Le groupe Octobre, je crois qu'il n'y a pas eu des attaques avec Octobre, justement. Je sais plus. C'est possible, hein. Dissolution du groupe. Après la victoire du Front populaire, sur fond des accords des membres, quand la nécessité de s'engager dans les brigades internationales. Bah, il y a eu Ah oui, un lien c'est avec le les Parti anars. communiste. C'est les anars. Si, y a, oui, c'est ça, je crois que c'est des anars. En fait, il y a un truc. Y a un truc attends, faut regarder. Mais le. Il y a eu un truc qui s'est passé où justement. C'était dans l'histoire de. On avait entendu parler de ça dans le documentaire d'Arte qui parlait des ouvriers et leur rapport au syndicat. Mais ne souviens Ou la plus. commune, je sais plus. Bon, donc elle Mais va non, fréquenter c'est ce pas la commune. groupe. Ce groupe qui était formé autour de Jacques Prévert et de Lou Tchimoukov de Laocoudème, proche de Louis Chavance. Okay. D'accord. Max Maurice fait lui aussi partie de la troupe d'Agipop après sa rupture avec le surréalisme. Alors, la première exposition personnelle de Dora Maar est organisée à la galerie Vandenberg à Paris et il faudra trouver la date. Parce qu'on nous dit juste première expo à Paris, une note, mais on regardera peut-être après. Par l'intermédiaire d'une. C'est la combien? La 11. Par l'intermédiaire d'une association d'extrême gauche anti-stalinienne, masse dirigée par René Lefebvre et administrée par Jacques Machin, ok. Avec le soutien de Simone Veil, elle rencontre Georges Bataille, membre de cette association depuis 1933, et devient son amante jusqu'en 1934. Après les manifestations fascistes du 6 février 1934, devant l'Assemblée nationale française, elle signe le tract Appel à la lutte rédigé à l'initiative d'André Breton. Fin 1935, Dora Maar est engagée comme photographe de plateau sur le film de Jean Renoir, Le crime de Monsieur Lange. À cette occasion, Paul Éluard lui présente Pablo Picasso en janvier 1936 dans le café des Deux Magots, c'est très précis. Hein. Donc ils vont apparemment avoir une liaison qui dure 8 ans. Année qui voit Françoise Gillot apparaître dans la vie du peintre. Françoise Gillot, je la connais pas, est-ce que c'est une personne actrice? Peintre et écrivaine. Alors elle est née en 1921, donc ça va être C'est possible. limite. C'est possible. Bah c'est quand même 21-80, ça fait 60 ans, Ouais. hein. Et C'est large. la femme de Picasso, Marie-Thérèse Walter, hein, je connais pas bien la vie de Picasso, donc je sais pas. C'est la mère de la fille, d'accord, très bien. Bonjour. Elle n'a pas d'identité. Le repère de Saint-Germain, exactement.
Tu connais l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés? Petit cancanou? Moi, j'ai travaillé au Demago, d'abord. Est-ce que, alors, on va faire un vote. Est-ce qu'on doit faire un poll spécial? Est-ce que vous connaissez l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés? Non. Je ne sais pas de qui vous voulez parler. Est-ce que j'ai le droit de dire... Non. Pour l'instant, non. Bah, tu donnes pas la réponse. Alors, on cherche. Mais est-ce que j'ai le droit de dire le truc de Constantin et Jules? Bah non, mais on cherche. Oh. Donc, on cherche pour l'instant, tu ne peux pas donner la réponse. C'est de la réponse que tu veux donner. Mmh. Tu connaissais bon, Françoise Gillot. Ouais, bah, moi, je suis... Moi, il est sous un bon nul, hein. Donc, la rupture, non, ça, on s'en, okay, on s'en fiche. Éluard et Picasso refusent ce traitement. Quoi? Il parle de... Attends. Parce que le interné à l'hôpital Sainte-Anne, où on lui administre des électrochocs, Éluard et Picasso refusent ce traitement et la confient à Jacques Lacan. Après une longue analyse, elle poursuit son travail pictural, qui rejette rapidement l'influence de Picasso. Donc là, on parle toujours de... De Dora, là? C'est dans la phrase, tu veux dire? Bah, je sais pas, parce que j'ai pas lu, parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient... Bah lus, non, mais c'est si, c'est elle. Ok, bon, bah voilà. Dora Maar, photographie, les étapes successives de la création de Guernica, tableau que Picasso peint dans son atelier de la rue des Grands Augustins, de mai à juin 1937. Picasso a utilisé ses photographies dans son processus de création. Parallèlement, elle est le principal modèle de Picasso, qui la représente le plus souvent en larmes. Elle-même réalise plusieurs autoportraits intitulés « La femme qui pleure ». C'est joie, hein. Joie, c'est et... Très, très joie et joie, quoi. Très, 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 très. Ce sont cependant, et c'est pour ça que je pense que du coup, elle a été aussi occultée, parce que du coup, bref, il a utilisé ses photos pour documenter son travail, etc. Et donc, je pense qu'elle s'est fait un peu manger son temps, son énergie et sa santé. Ce sont cependant les travaux de la période surréaliste qui demeurent les plus recherchés par les amateurs. Portrait du but en 1936, 29 rue d'Alstorg, sa sœur noire, collage ou photomontage. Portrait du but deviendra même le symbole, un symbole de ce mouvement par son titre, référence au père Ubu, personnage inventé par Alfred Jarry qui symbolise le bas instinct de l'homme, et par la composition énigmatique de cette image absurde qui était un fœtus de tatou. J'ai rien compris à ce que je viens de lire. J'espère que vous avez compris, moi je n'ai rien compris. Sa liaison avec Picasso s'achève en 1943, bien qu'elle se renvoie épisodiquement jusqu'en 1946. Alors, juste je vais faire une petite parenthèse. J'essaie toujours de me représenter dans la vraie vie. Enfin, genre aujourd'hui, s'il y avait des gens qui me racontaient comme ça des liaisons qui durent et qui perdurent et tout ça, mais j'ai l'impression que dans la vie des artistes femmes qui avaient des amants connus, c'était un peu dur de s'en défaire aussi. Hein. Je sais pas dans quelle mesure elles arrivaient pas à se détacher, etc. Mais c'est un peu compliqué. Parce que 3 ans, quand même, c'est long. Hein. 3 ans de retour, partir, revenir, mais bon. Bref. Ainsi, le 19 mars 1944, elle tient le rôle de l'angoisse grasse lors de la lecture chez Michel Léris de la première pièce de Picasso, Le désir attrapé par la queue, conduite par Albert Camus. Mais déjà, le casting, il fait bader un peu, quoi. Enfin, Mais tu sais que ça en était trop bas, là, encore. Hein. Ouais, une pièce de Picasso conduite par Camus. Ok. En 1944, par l'intermédiaire de Paul Éluard, Dora Maar rencontre Jacques Lacan, qui la soigne de sa dépression nerveuse. Picasso lui achète une maison à Ménerbe, dans le Vaucluse, où elle se retire et vit seule. Elle se tourne vers la religion catholique, rencontre le peintre Nicolas de Staël, qui habite le même village et peint des tableaux abstraits. Donc sur sa carrière de peintre, l'œuvre peinte de Dora Maar est restée méconnue jusqu'à la vente posthume organisée en 1999, qui fait découvrir au public et aux professionnels une production très personnelle qui n'avait encore jamais quitté son atelier. Maar abandonne la photographie pour la peinture aux côtés de Picasso. Again, du coup. Ok. C'est à partir de la douloureuse séparation d'avec Picasso que Maar devient vraiment peintre. Les œuvres tragiques figuratives telles que Portrait d'Éluard ou L'autoportrait de l'enfant de 1946 traduisent par des tons sombres la douleur des années après-guerre.
Après des années de lutte entre dépression et mysticisme, l'enfermement volontaire de Dora Maar avec ses souvenirs connaît une brève embellie dans les années 60 à 70 avec de grands formats abstraits aux couleurs chatoyantes. Mais c'est à partir des années 80 que l'artiste peintre s'exprime pleinement dans ses multiples tableaux du Luberon, où les paysages sauvages autour de la maison de Ménerbe, balayés par... donc il y a de la force, tout ça. Ouais. De 1946, donc jusqu'à son décès en fait, de 46 jusqu'à son décès en 1997, elle partage son temps entre Ménerbe et Paris, où elle vit pauvrement recluse. Devenue antisémite et homophobe, elle s'est occupée volontairement de ses anciens amis dans les 10 dernières années de sa vie. Bah écoute, d'où ça arrive? C'est un tournant. En fait, okay. la meuf, en gros, là on vient de nous dire, genre, elle s'est recluse, elle était seule, elle a peint, et puis après, bam, elle s'est réveillée un matin et dit non, en fait, je suis un peu antisémite et homophobe, tiens. J'avais oublié de vous dire. Waouh. En plus, j'ai dit, elle s'est occupée volontairement, mais non, elle s'est coupée volontairement de ses anciens amis, j'avais mal lu, en fait, d'accord. Et ben, elle est devenue très sympa. En 1990, Marcel Fleiss expose dans sa galerie rue de Penthièvre à Paris une série de ses tableaux. Dora Maar est inhumée à Clamart, au cimetière communal de Clamart. Sa vie, quoi, finit très mal. Ouais, c'est vachement la fin. Waouh. Bonjour, vous êtes devenue une grosse bitch, en fait, et donc... Alors, du coup, j'avais préparé un truc, mais je sais pas si c'est prêt, là, maintenant. Oh, mon Dieu. Voilà. Peut-être qu'on peut rajouter le petit warning. Alors, j'ai prévu le petit avertissement en haut, uniquement normalement prévu avec justement une des commandes. Mais je pense que là, c'est un peu nécessaire. Mais alors, par contre, je suis désolé, hein, je ne m'attendais pas à ça. Non, mais moi, on était en train de lire, voilà, elle était dépressive et tout, mais... Le truc, genre, après entre dépression et mysticisme, enfermement volontaire plus tout ça, c'est un peu violent, quoi. C'est genre... Ouais, c'est ça, Tomato Juice, c'est exactement ça. C'est genre, pour nous récompenser, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. C'est archi gratuit. Mais en fait, si elle est vieille en plus recluse, comment tu sais? Enfin, je sais pas. Non, mais ça, c'est... Après... moi, je me suis plongée... Ah c'est... non mais alors là tu vas dévoiler ton... Je ne vais rien dévoiler, mais ce que je tiens à vous dire c'est que j'ai un peu creusé avec un autre trigger warning de femme on a l'habitude de penser comme une femme qui a été sous l'emprise d'eux. Et en fait j'ai essayé de lire parce que je me disais c'est impossible je me disais si une femme artiste est entourée, je comprends pas comment elle peut se laisser prendre dans les griffes d'un homme sans que personne vienne essayer de l'extirper, etc. Tout en continuant à avoir une carrière à côté, enfin un truc que je me posais la question. C'est pas que je me disais pas c'est impossible, mais je me disais comment... Est-ce qu'elle avait pas d'amis? Est-ce que personne l'a prévenue? Est-ce qu'elle était très solitaire? Ou est-ce qu'elle était complètement prise dans cette relation hyper toxique? En fait, c'est un peu de tout à la fois, mais il y a aussi des caractères qu'on met jamais en avant dans les profils des femmes artistes, c'est qu'il y en a qui étaient des folles de travail et des perfectionnistes de ouf, hein, qui se sont perdues dans leur travail d'artiste et qui sont recluses pour pouvoir travailler, en fait faire ce qu'elles voulaient, quoi, et que c'est ça qui les a rendues complètement complètement folles, enfin, qui ont sombré dans une espèce de folie au fur et à mesure d'être seules, etc., dans leur travail, à vouloir exprimer ou capturer des choses et tout ça, et que finalement, la question de l'homme qui arrive dans la vie et qui peut faire tout basculer, bah, c'est un facteur, mais c'est pas le truc principal, quoi. Bref. Donc, je pense que là, on est un peu sur le même truc, quoi. Apparemment, ça, le truc de notre plot twist existe dans un carnet qui est apparemment son carnet. Donc, plot twist d'elle-même, apparemment. Et est-ce que, du coup, la note 11, elle nous apporte quelque chose sur l'expo ou pas? Justement, c'est ce que j'allais regarder. Colville 99, page 78. Scandaleusement d'elle, 34 femmes surréalistes. Ouais, c'est pas ça. Bah, c'était pas la note 11, alors. Bah si, en fait, ça rappelle à ça. ABCD, Colville 99. Ah d'accord, donc c'est dans un livre où il parle de ça.
Mais peut-être qu'on va trouver sur Aware du coup la date de sa première expo. Je pense aussi, ouais. Bon, je vous enlève le trigger warning. Et alors souvent aussi c'était... si qui va jusqu'au bout. Mais les femmes qui ont sombré dans la folie, souvent elles étaient archi belles. Alors c'était des femmes, genre tout le monde les décrivait comme des femmes avec un regard complètement fou, une force de caractère. Tu viens de faire un parallèle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que un regard envoûtant, des femmes qui étaient vraiment avec un caractère énorme et tout, et qui se laissaient pas faire et tout ça. Bon, du coup, ok. J'aurais dû laisser le trigger warning sur la suite ou pas. Alors, je te laisse lire pendant que je regarde l'image. Ouais, moi je veux juste trouver la date de l'expo. Hein. Elle collabore en 31 avec l'illustration photographique du livre. Ah bah remarquez à ça hein, si on trouve pas. Elle contracte son nom machin. Elle collabore. Ok. Elle partage ensuite l'atelier, tac tac tac. Elle en 34, elle voyage seule en Espagne. Elle est aussi à l'Académie Junior. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, fou fou fou. J'en ai parlé longuement même parce qu'il disait que... Non mais excuse-moi, c'est... J'en ai marre de cette musique, je veux changer, faut que je change absolument. Elle multiplie comme à Paris et à Londres les vues urbaines. D'accord, bon, c'est pas encore écrit. 31 ? Non mais je veux quand même trouver la date de l'expo si on peut, donc faut juste que tu me mettes en bas et que... Là là là, 36 machin, elle compose des photomontages aussi étranges qu'audacieux. Ouais, 36. Ah oui, bah là ils sont directement au truc du but, donc c'était avant en fait. Ok, et si t'essayes d'aller encore en bas et faire lire plus. Et après c'est le truc de Picasso, donc de toute façon déjà, c'était... Déjà, elle est déjà artistement conclue. Ouais, donc c'était avant. Mais c'est bizarre qu'ils en parlent pas là-dessus. Publicité originale, nanana, en 34. Elle voyage donc avant. Il y a les photomontages en 35. Ouais, ouais, mais. Et si tu remontes en haut, peut-être. Il y a 31, tu m'as dit. Ouais, bah on va mettre 31. Mont-Saint-Michel aussi, photographie du Mont-Saint-Michel. Bah, c'est... L'illustration photographique du livret de l'historien d'art Germain Bazin, je pense que c'est pas mal. Mmh. Ouais. Du coup, pour revenir à la discussion que vous avez eue sur le chat sur Picasso, ouais, c'est... Non, c'est Pika SOS, a dit d'ailleurs un petit compagnon. Mais donc, Picasso, c'est pas mal. C'est vrai que le fait de traîner, alors c'est une des questions aussi que Nibbler aussi a un peu parlé, c'est beaucoup le contexte et comment les personnes sont entourées, quoi. Donc, ouais. Après, moi, j'ai appris qu'il y avait des gens qui se coupaient aussi de volontairement des gens. Mais voilà, ça peut être aussi des choses de se couper aussi de la personne avec qui t'es en couple et de, du coup de t'isoler, pas forcément de tes amis en fait. C'est ça que moi je trouve paradoxal, c'est dans la manière dont c'est raconté, ou en tout cas dont c'est donné à voir, on a l'impression qu'en fait elles sont toutes seules quoi. Genre elles sont solos avec leur amant toxique, mascu toxique 20 000 et qu'elles peuvent rien faire, alors que les nanas, elles continuaient à produire des œuvres, etc. Donc, je me dis, dans ma peau de femme aujourd'hui, je me dis, bah attends, moi, si j'arrivais à continuer à faire un travail, etc., alors que je suis censée être au fond du gouffre, et que j'ai fini interné, machin, enfin, bon. Il y a quand même un truc bizarre, je trouve, mais... Oui. Alors... Le travail. Oui. Le travail. Donc ça, c'est un photomontage ou c'est juste un négatif ? Oui, c'est un photomontage parce qu'il y a le fond qui est un faux fond et un sol qui est un faux sol. Ok. Et ça, c'est dans la... qui sort d'un coquillage. Donc je suppose que c'est faux. C'est un... C'est au centre Pompidou. Il a été mis au Centre Pompidou récemment, je crois. Il y a quelques années, en tout cas. Ça devait être avec les... Peut-être dans l'expo surréaliste. Ouais, ouais. Enfin, quelques années, c'est bien une dizaine d'années, pour le coup. Hein. Excuse-moi, des vieux. Ok.
Maintenant, je compte par dizaines d'années, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oups, pardon. Ah, Oh! pardon. Bon, alors désolé, hein, vous allez devoir vous rincer les yeux ailleurs. Ici, on ne peut pas montrer des seins Oui, et c'est des la. sexes de femmes et d'hommes. On ne peut Et pas. des boobs, et des fesses. C'est tout ce qu'on a vu, quoi, plus ou moins. Voilà. C'est interdit. C'est pas beau pour Twitch. Il n'aime pas C'est Twitch. pas beau pour les ricains, vous savez comment Ouais. c'est, hein, la religion, tout ça. Et en plus, nous, on est obligé de se conformer parce que sinon, on se fait striker la chaîne. Oui, bon, moi. Hein. Les yeux. Bah, des yeux, hein. Des œils. Une dadame. Ne. Quoi? Nouche. Nouche et Loire. Ouais. Et sur les femmes artistes, parce qu'au final, il y a beaucoup de travail qui sont autour du corps, du coup. Mais. Ouais. Oui, bien sûr, aussi. Oui, petit cancan, on répond à ton message, oui, ça. Mais le truc, c'est que on peut éviter. Hein. On peut voir sans voir, et c'est aussi bien. Hein. Rappelez-vous le principe de l'origine du monde. Avec le volet qui se cache, les gens qui viennent regarder dans une maison perdue au coin de la banlieue pour ouvrir un truc qui fait 10 cm sur 10 cm et pour voir une chatte. Est-ce que Tout dans le simplement. chat il y a quelqu'un qui sait nouche Hey, c'est Picasso, hein? Aïe aïe aïe. Donc Ça, on peut regarder ça. je voulais poser la question, est-ce que vous savez si Nouche et Éluard, c'est la fille, la femme, la sœur de Paul Éluard ou pas? Ou est-ce que vous savez pas? Elle est horrible cette photo de Picasso, c'est dégueulasse! Je m'y attendais pas. Surtout après qu'on parle du fait qu'on peut pas voir les femmes et tout. Ça, on peut regarder. Ça, on peut regarder. Aïe aïe aïe. Comment ça les trois? C'est les trois, c'est la sœur, la mère, c'est ça la réponse? C'est tout. La sœur, la Vous femme et la fille? avez l'attaque Wikipédia hein, sur. Vous avez une commande Wikipédia pour Nouche, si vous voulez. Alors, c'est Nouche, c'est SCH. C'est comme SCH. Je sais pas, c'est ça, ouais. Mouche. Ouais, c'est SCH. Après, c'est peut-être un surnom, mais. Aïe, aïe, aïe. Alors, Nouche Éluard. Née Maria Benz le 21 juin 1906 à Mulhouse, dans un Alsace faisant alors partie de l'Empire allemand, et morte française le 28 novembre 1946 à Paris, est une artiste devenue en 1934, après 4 ans de vie commune, la deuxième épouse de. Wisbot. C'est Eh quoi cette bien, on va censure? regarder. Vie commune, épouse de Paul Éluard. Femme sans tabou et égérie du Attends, il y a sérialisme. Valentine Hugo aussi. Ah ouais, mais ça, alors une fois, on est tombé sur une page où avec la fille de, je sais plus qui c'était, et en fait, ça ouvrait la page de son père. On était là, genre, bah ok, Ah oui, c'est. super. Ok, bah voilà, nous chez Loire, donc on savait pas. Et voilà, et bah du coup, on a nous chez Loire en plus d'ouvrir, de De verte. vire. Est-ce qu'on a mis, du coup, tu as mis la date Mais je de. viens de le faire. Ah, mais j'étais pas, je suis pas Mais c'est tout parce que t'étais suivi, pas là, mais moi. on est en Je train de fais que parler au chat, parler. tu vois, on fait des trucs comme ça, on est occupé, mais on y arrive. On est à la quatrième artiste, hein. On est allé plus vite que la semaine dernière, d'ailleurs. Bah ouais, mais parce qu'on a beaucoup parlé. Je Hein. vérifie juste qu'on a bien enlevé de notre de Rama, ouais, c'est bon. Oui, parce que pour qu'on ait Elle 8, était c'est même pas bon. ajoutée, d'ailleurs. Hop, Nouche, je la mets peut-être devant, comme ça on s'est fait. On fait Nouche ou Françoise Gillot, on essaie de checker. Ça fait 1h38, 56 secondes. Alors, ouais, alors du coup, je pense. Faudra voir hein, par Oui, Françoise faut Gillot. dire au revoir à Dora, on a vu un peu toutes ses œuvres. Bye Dora. Désolé hein, pour celles et ceux qui veulent absolument regarder du nu. Je vous invite à du coup à avoir accès au Twitter. Vous prenez Dorama et vous cherchez. Bon, après, vous allez peut-être tomber sur un plot twist antisémite et homophobe, hein, mais vous êtes prévenu. Grâce à ce stream. Alors, donc Françoise Gillot, on va regarder si on peut la mettre ou pas dans cette frise. Donc, elle est
Née en 1921 à Neuilly-sur-Seine, et c'est une peintre et écrivaine française. Elle est régente du collège de pataphysique. Je ne sais pas ce que c'est. C'est là où on apprend la physique des patates. Et du coup. Faut que N'importe j'arrête. quoi! Faut que j'arrête. Mais du coup, elle n'est pas morte en fait, Françoise Gillot. Elle n'a pas de date de mort, donc Elle elle a est 100 encore ans. vivante. Elle a 100 balais. Elle a 100 balais. Il y a marqué 99 ans, mais Ouais, on est bah. en 1921. Hein. On est En en 2021, nous. Hein. 1921, on est en 1921. À la fin de l'année, elle a 100 balais. Alors, on va regarder. Donc, elle a fait des études de droit au départ, plus attirée par sa passion pour l'art. Elle suit les traces de sa mère, une aquarelliste, et s'oriente vers le dessin et la peinture. Donc, a priori, sa mère est aussi aquarelliste. Donc, Ah! si on a sa mère, Deuxième phrase, elle est si on a le... bien. Excusez-moi, je casse l'ordinateur. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi ça s'est assez ouvert, du coup. Si on trouve le nom de la mère de François Gillot, qui a été aquarelliste, on pourra aussi ouvrir sa page, mais pour l'instant, on ne l'a pas. En mai 1943, elle rencontre Pablo Picasso, alors amant de Dora Maar. Elle devient sa compagne de 1944 à 1953 et la mère de deux de ses enfants, Claude et Paloma. Picasso, durant leur période de vie commune, la représentera sous l'apparence de la femme fleur, radieuse et solaire. C'est sympa pour Dora qui elle était représentée en train de pleurer. Hein. Pourquoi pas? Non, Il mais Picasso, n'y a que Picasso. franchement, il Alors, est dans le sillage de Picasso, elle lourd. continue à mener sa propre carrière d'artiste peintre. En 1964, elle publie Vivre avec Picasso, un livre relativement intime sur leur vie commune, d'Erc, qui rencontra un énorme succès et quelques critiques pour l'époque d'opportunisme. Okay. Ce livre mettra Picasso dans une grande colère qui ira jusque ne plus vouloir recevoir ses enfants. Tintin. Oh, comment ça? Pourquoi j'ai l'impression que ça l'arrange lui? Bah ouais. Donc ensuite, Françoise Gillot, elle va épouser un autre peintre qui s'appelle Luc Simon. Elle va avoir une fille. Elle va se marier ensuite avec un docteur. Donc il n'y a rien sur sa life en fait, juste parce que là, il y a juste écrit ses Ça, maris, en fait, ça quoi. parle de ses maris, ouais, c'est ouf. Y a rien. Ah si, elle a écrit peignant 12 heures par jour. Elle a exposé ses œuvres à New York, en Californie et à Paris. Et après, il y a Commandeur des Arts et des Lettres en 88. Voilà, comme ça au moins vous savez. Bah Voilà. Ok, elle a été décorée. attends, il y a des trucs dans les collections publiques aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette... Ok. Elle a un Antibes. navire aussi de son nom. Donc peut-être que Tomato Juice, elle connaissait le bateau. Ouais, de ce qu'on voit en plus, on verra rien d'autre. C'est-à-dire qu'on n'aura pas sa date de monstration. Il n'y a rien sur elle. Il y a tout ce que la France a fait, entre guillemets, pour elle et ses maris. Et Donc c'est Marie, ouais. la patriarchie a été sympa avec elle, apparemment. Mais sinon, il n'y a rien. C'est ouf. Expert en bateau, non artiste. C'est un truc de encore une fois, hein, de niche. Hein. Une passion de niche qui peut. Comme d'hab, comme au dabé. Alors, ouais. Du coup, il n'y a rien. Non mais là il y a que... Oh, c'est ouf. Elle est vivante et il n'y a rien. C'est bizarre. Ah c'est ouf. Et est-ce qu'on peut regarder sur Aware du coup? Juste pour voir si eux ils Ce ont qui veut dire quand fait même un que quand t'es travail. commandeur des arts et des lettres, qu'on soit bien d'accord. Même si t'as des publications, des livres où tu vois, genre, elle est écrivaine et tout. Il y a tout ça. Il y a les publications sur Picasso. Ouais, bah oui, elle parle que de Apparemment. Picasso. Et du coup... Je la connaissais que comme femme d'eux et pas comme artiste. Ouais, bah voilà. Ah oui, mais c'est C'est normal du une coup. folie. Enfin, je sais pas. Bref, on va regarder sur Aware. Mais c'est incroyable. Incroyable. Parce que là, on n'est pas censé se galérer à chercher quand on est sur Wikipédia, normalement. On n'est pas censé aller trouver la réponse pour eux. Il y a un documentaire Enfin, sur si, l'histoire en de vrai. Rosa Bonheur sur Ouais. Ah bon? Ouais, non. Série animée. Petites histoires de grandes artistes. Ah bah peut-être qu'on va faire ça, on va se regarder bon, 4 minutes, c'est rien. Ouais, c'est cool. Non, mais ça peut être marrant. Attends, je vais regarder si c'est sur Vimeo. Ah là là, des vrais artistes, hein. Mais du coup, c'est quelle la première Rosa Bonheur, apparemment. Peut-être que si on a un peu le temps et que vous êtes motivé, on regardera ça là. Ah, il y a toute leur journée doctorale aussi. Ah, ce serait bien aussi de regarder, mais... Oui, du coup, Fenico, elle y est pas, du coup.
Nico. Peut-être on regardera au début de du prochain Ouais, ou non. on se fait un live en dehors pour tester la machine. Donc là, on doit chercher, pardon, Françoise J.O. Gillot, hein. Ouais, non mais t'inquiète. D'ailleurs, j'ai pas mis à jour. J'ai pas compris ce que t'as fait, parce que pourquoi t'es pas resté sur Aware et t'as tapé Françoise Gillot dans Parce qu'elle le n'y web? était pas. J'ai déjà vu. J'avais déjà tapé. Ah bon? Bah Ouais. non. Bah si. Là, tu veux que je te montre? Regarde. Tu vois? Ouais. Hop, je passe ici. J'avais fait ça. J'avais fait ça. Alors là, je refais le replay. Et tu m'as dit, non, mais il y Ah a un oui, truc sur pardon. Rosa Bonheur. J'étais revenu en Ok. arrière comme ça. Et j'ai fait, ah oui. Et on a cliqué sur lire la suite. D'accord. Du coup, il n'y a que des trucs sur en plus Vivre avec Picasso de Non, non, moi Françoise j'ai trouvé ça, Gillot. moi. Ouais, mais ça, ils vont dire quoi Bah, et déjà, Alors. c'est sur là, déjà. Donc, Arnett, c'est... Donc, ils disent Gillot est considéré par certains comme sa muse, bien que le travail de Gillot soit influencé à cette époque par le cubisme de Picasso. Ses peintures se caractérisent davantage par des formes naturelles que par les angles vifs de Picasso. En 1953, donc ça, ok, elle emmène les enfants, elle publie le best-seller Vivre avec Picasso, elle a un studio à La Jolla, New York et Paris. Ses peintures tardives présentent des couleurs saturées et des compositions structurées. Elle s'intéresse également aux monographies et aux aquatintes. Elle continue d'exposer son travail à l'international. Ben écoute. Mais elle doit avoir un site, on va regarder. Je pense qu'elle doit Donc avoir ça, un c'est site. ça son travail. Donc là, il y a 1949, 1945 déjà. On va regarder, hein. Comme ça, au moins c'est fait. C'est bien, Arnett. On peut pas avoir une vue sympa. Non, je crois qu'il veut pas net passer les trucs qu'il faut regarder comme ça. Alors du coup, 1945, hein. 1962, ça a un peu changé en 20 ans déjà. 71. Ah, Paloma, surtout, en c'est tout. 2016. 2016. Bah, c'est marrant, ça retombe sur 1962 un peu. Un flux d'amour. 1957. Après, il y a les livres. 2014, là, à Les droite. carnets, apparemment. Ouais. Love Affair. Bah, elle a quand même des styles très différents. 2008, c'est encore différent. À partir des années 2000, ça prend un tournant un peu plus personnel, j'ai l'impression, quand même. Mais... Ok. 2002. Ok. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Alors il y a des portraits. Apparemment dans les années 60-70, hein, les portraits. 81, c'est marrant, ça fait 81 en fait. C'est fou. Hein. C'est ouf, hein. Non mais Vous avez une ça je suis désolé, peinture ça très fait. années 80, Non. madame. Ça fait tellement 67, tu vois. Mais ça fait tellement 81, Pour je que ressembler je. un C'est petit ouf. peu au maquillage des femmes qui dansaient dans les années 80 en boîte. Pardon. C'est déconstruit, c'est ça que tu veux dire? Je sais pas ce que j'ai voulu dire, mais. Oh là là. J'aime bien ce qu'elle fait. Ouais, bah, il y a des trucs pas mal, hein. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Vénus, là, tu vois. Celui-ci, là, j'aime bien. Mais il y a des trucs pas mal. Donc on peut les acheter, hein, prix sur demande, il y a écrit. D'ailleurs, ouais, sur Artnet, vous pouvez acheter, hein. Après, il y en a qui sont auction close, il y en a qui sont Mais vendus, mais il y en a où on peut demander les par prix. exemple, là, celui-là, on peut l'acheter. Là, le Vénus, on peut l'acheter. Alors, le prix sur demande, mais bon, ça s'achète, hein. Vincent Mann Gallery, c'est pas du tout un truc de riche. Déjà, c'est à la New Orleans, donc déjà. Ah, mais New Orleans, ça veut pas dire que. Bon, tu payes le trajet. Tu payes les frais de port. Tu payes le trajet, la protection de l'œuvre sur le chemin. Mais tu Tu en payes. as pour 140 000 euros, ça Au va quoi. minimum, au minimum, ouais, Mais tu payes ta maison, quoi. moi j'aimerais bien aller à une auction un jour pour voir à combien ça démarre. Ça démarre haut, hein, je pense. Ça dépend de où, Bah mais je après pense que ça ça démarre dépend ce haut. que ça veut dire haut, tu vois. Enfin genre. Bah déjà, pour entrer dans la salle, est-ce que tu dois pas payer? Non. Il y a des trucs comme ça où tu peux payer. T'es obligé de payer, même, pour être dans la salle. Ok, bah du coup, il y avait 1945, mais on Ouais, n'était mais bon, pas... c'est là, ce serait que de 42, là. l'interprétation, quoi. Bah on avait fait ça, hein, Non. 42. Non, on avait vu une date d'expo sur un truc de vente. Ok, on va regarder s'il y en a un site. Ça, c'est sur le Dix livre. messages ont été supprimés, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est fou. Pourquoi tant de symboles? Je vais le bloquer, Streamlabs, là.
Est-ce que tu peux envoyer. Mais toi, tu vois même pas les messages là, qui ont je le sauté? vois pas parce que. Non, mais là, je le vois pas parce que je suis pas sur Twitch. Là, je vois uniquement après. Donc, je peux pas le débloquer en plus. Les dessins de Dorama, c'était 300-400 € au départ. C'est pas cher, hein? C'était ça que t'avais écrit? Juste ça? Ou t'avais mis des trucs en plus? Alors, on n'avait pas regardé ouais, les prix de Dorama. Tu veux qu'on Bah, en regarde? vrai, 300-400 € pour des dessins. Après, les dessins, c'est toujours un peu moins cher que la peinture, mais. Ils sont partis à 1200. Mais c'est pas cher, T'as moi regardé? j'en aurais acheté. Non, mais t'es sérieuse? 1 200 € pour un. Pour. Trop de. Non, mais t'avais mis quoi comme ça? Enfin, t'avais mis quoi comme style? Ça, c'est les dessins, c'est ça que tu parles? Pris sur demande. T'as fait la demande là ce soir? Tu veux t'en acheter un maintenant? Mais non, elle a dit qu'elle était allée à une vente aux enchères. Ah oui, d'accord. Elle avait vu les dessins. Bon, la prochaine fois, on y va ensemble. Hein. Bah, la prochaine fois qu'il y a des auctions, déjà il faut être au courant. Celui que je voulais acheter. Ah, d'accord. Ah! Qu'est-ce C'était l'ordinateur, il a commencé à faire un bruit. Peut-être qu'on va se faire quitter. que C'est possible. C'est c'était? possible. Au secours! On a un compte à rebours! Peut-être un compte à rebours. Peut-être que ça a explosé. On ne sait jamais. Vous vous rappelez la fois où il y a eu une coupure de courant et qu'on était dans le noir? C'était magnifique. Ça va peut-être être la même chose, sauf que cette fois-ci, on ne pourra pas streamer. Il y a même une fois on a bugué et Petit Coquin nous disait: Non mais vous inquiétez pas, on vous voit toujours, hein! Et nous on était genre: Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, je vais essayer un truc. François Gillot, c'est là. Ah, on cherche en ligne, on n'a jamais été à Drouot en vrai. Mais je pense que c'est un truc qui se tente. Je vais fermer les fenêtres. Je vais fermer les fenêtres et on va voir ce que ça donne. Parce que je soupçonne le processus de Chrome en mémoire. Vu que je sais que ça prend de Ah. la mémoire. Donc on va voir. Bah Sarah Bernhardt, elle est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Bing Goulbassin, ok. Aïda, ok. Libérer un peu de la mémoire, s'il vous plaît. Hop, hop. Gwendoline Knight, on rajoute. Et on va se faire un passage en anglais, peut-être après François Gillot. Ouais, on fait Laura Knight et puis après on s'arrête du coup. On peut, hein, on est à Parce 4. que. Non, mais on n'a pas vu François Gillot. D'abord, faut aller jusqu'à François Gillot qu'on trouve la date. Il faut connaître à mon avis. Oui, mais ça dépend. Il y a des. En fait, quand c'est annoncé, il y en a qui sont publics et il y en a qui sont privés, effectivement. Mais. Après, je crois qu'on peut consulter les catalogues, par contre. Catalogue des ventes. Oh, j'ai une collègue qui achète des oiseaux empaillés aux enchères, il faudrait qu'elle nous emmène, mais je ne commenterai pas Non mais les non. trucs des gens. Moi, je veux Mais... pas voir dans le dénuement pays, ça vous dérange pas. Petite passion. Bon, alors du coup, donc je. Bah oui, mais tu m'as fermé la page en anglais alors du Non coup. mais on cherche toujours la date de travail. Ah, Non? bah je sais pas, Moi, non, je on voulais manque de vérifier juste. ressources. Mais manque de ressources, ok. Bah ouais, Non parce mais c'est qu'on juste pour va être rien sûr. trouver, je pense, hein. C'est juste pour être sûr. Moi, je soupçonne. Soit c'est Illustrator qui nous fait exploser la vitesse. Comment ça s'appelle? Chrome. Et du coup, j'ai fait sans doute une bêtise, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai pas fait Chrome sur la carte graphique. Parce que je me suis dit, j'ai une bonne carte graphique et ça fait tourner des gros jeux pendant que je stream. Donc ça doit marcher. Donc du coup, je me suis dit, vu que tu demandes beaucoup de ressources, je te balance sur ma carte graphique, vu que de toute façon, on utilise le processeur, la carte graphique aussi pour Illustrator. Donc du coup, on surcharge la carte graphique, mais on va streamer avec... Ah oui, remarque, c'est la carte graphique aussi. Ah ah peut-être que ça a explosé. Voilà. Vous êtes au courant, vous êtes là pour que ça explose. Peut-être que j'ai fait une bêtise. Ouais, bon, du coup, tu peux mettre si tu veux dans note date de monstration, comme ça on sait. Oui, je l'ai pas mis, mais je vais mettre. C'est hyper rouge sur le rendu là, la frise, Oui, c'est par exprès. rapport à nous. Parce que moi, j'ai baissé la luminosité pour qu'on Ah, évite de pardon. mourir des yeux. Très bien. D'accord. Et donc du coup, c'était qui que je devais lire? Laura Knight? Non, elle a déjà fait Laura Knight. Non, on l'a pas fait, Laura Knight. Alors, du coup, on a Laura Knight. Hélène Levitt, c'est bon, je vais l'enlever d'ailleurs. Ouais, Rogi, c'est Rogier, on bon. l'a fait aussi. Diane Arbus, c'est pas prêt, on n'a pas fait. Tu veux qu'on fasse le Denarbus? Sarah Bernhardt, on l'avait fait.
Non, mais tu peux faire Mush. Gwendoline Knight. Médiane Arbus. Ah, Diane Ok. Arbus? Oh, excuse-moi, j'ai cliqué sur un. J'ai pas trop envie de faire de live traduction. Ouais, c'est plus cool. On finit avec une grosse artiste que tout le monde connaît, donc c'est bien. Que ça se trouve, on pourra pas mettre dans la frise. On sait pas. Alors. Ah, on n'a pas la photo de Diane Arbus. Non, sous licence libre. Alors, donc Diane Arbus. Moi, je n'ai plus Oui, je la sais, page. Ouais. je replace. Pardon. Donc, qui s'appelle Diane Nemerov, connue sous son pseudonyme de Diane Arbus, est une photographe de rue américaine qui est née en 1923 à New York et qui est morte en 1971 à Greenwich Village. Elle reste célèbre pour ses portraits de rue effectués au réflexe 6 par 6 à deux objectifs équipés d'une torche à lampe flash au magnésium de forte puissance. Sa photographie des jumelles identiques est celle de l'enfant à la grenade dans Central Park. Elle a aussi réalisé un projet sur une communauté de handicapés mentaux. Tu peux descendre, s'il te Oui, plaît. excuse-moi, je suis sur le Twitter. Du coup, j'ai pas mis Françoise vu qu'on n'a pas sa date. On est d'accord? Je Oui, l'ai pas moi mis je sur suis Twitter. d'accord. Mais sur le Twitter, c'est la même chose, hein, je l'ai pas précisé, mais du coup, Twitter non plus ne prend pas les personnes qui sont en manque de ressources. On les compose uniquement sur en rouge sur le stream. Et sur Donc, YouTube aussi que je. Voilà, excuse-moi. Diane Arbus, elle est issue d'une famille de commerçants aisés juifs new-yorkais d'origine russe. Et elle va rencontrer son mari, Alan Arbus, à l'âge de 14 ans. Celui-ci apprend la photographie lors de son service militaire et ils ouvrent ensemble un magasin de photos de mode après la Seconde Guerre mondiale. En réalité, c'est Alan qui prend les photos, Diane tient le rôle de styliste et démarche auprès des agences. Ses premières photos personnelles datent de 1957. Elle s'extrait peu à peu du duo qu'elle forme avec son mari au profit de son inspiration. Le couple se sépare en 1960. Elle étudie alors la photographie à la New School for Social Research à New York avec Marvin Israel et Richard Avedon et rencontre par la suite Lisette Model. On retombe sur Lisette Model. Diane Arbus s'inscrit dans un courant photographique qu'a inauguré un autre grand photographe américain, Walker Evans, qui a imposé un style documentaire et urbain dans les années 1930. Mais c'est après 1962 qu'elle impose son propre style, quand elle abandonne le format rectangulaire du 24-36 pour un format carré de 6-6 avec un Mamiya C330 équipé d'une torche à lampe flash au magnésium de forte puissance, fixée à demeure et utilisée systématiquement, y compris en plein jour. Tu peux baisser, s'il te plaît. Ouais. Et on va voir la photo à gauche. De son appareil photo. Un Mamiya qui coûte 1200 euros et quelques, Bah, même à cette époque-là, c'est sûr. Je vais tu peux regarder le mettre ça prix. tout en haut parce que j'en suis là. Ok. Je vais mettre. Alors, du coup, on était encore bas. Oui, bah, t'es toujours là, hein. Comme ça, on peut écouter ma voix. Non, mais. En 1963, elle obtient une bourse de la Fondation Salomon R. Guggenheim qui lui permet de réaliser un travail remarquable intitulé American Rights. Ritz, pardon, je sais pas comment on dit, Rite. Ritz, Manners and Customs, les rites de la société américaine, vaste galerie de portraits d'Américains, pour la plupart inconnus, qui met en exergue les rites sociaux de cette société. Diane Arbus concentre son activité à New York et ses alentours, photographiant des inconnus dans la rue. Fascinée par les personnages hors normes, elle photographie également des travestis, des personnes transgenres, des handicapés mentaux, des jumeaux, des personnes de petite taille, etc. En 1966, elle contracte une hépatite qui aurait eu des effets aggravants sur sa dépression et donc son suicide quelques années plus tard. En mélangeant le familier avec le marginal, Diane Arbus brosse un portrait troublant de l'Amérique des années 60. Je pense qu'il faut que tu montes du coup, parce que j'en suis là. Si c'était trop water. Elle s'attache pourtant à montrer que ces personnages étranges et atypiques, d'habitude considérés comme des phénomènes de foire, entre guillemets, sont avant tout des êtres réels avec des habitudes et un train-train quotidien. Sa méthode de travail s'attache à créer une relation intime et de confiance avec ses modèles, ce qui l'amène aussi à les photographier à nouveau quelques années plus tard. Par ses photos, Diane Arbus révèle combien l'étrange peut surgir de n'importe où. La très célèbre photographie Jumelles identiques met en scène deux fillettes habillées de la même manière,
robe en velours à large col blanc, qui regarde le spectateur droit dans les yeux en souriant légèrement. Le spectateur est mal à l'aise car c'est le concept de l'identité, c'est bon, et plus précisément de l'unicité des êtres humains qui est remise en question. Stanley Kubrick s'est inspiré de ce cliché pour créer les jumelles du film Shining. Et ben voilà. En 1967, elle participe à l'exposition New Documents qui se tient au Musée d'Art Moderne de New York avec des portraits qui côtoient les vues urbaines de Lee Friedlander et Gary Winogrand. Là encore, son travail apparaît comme un événement qui contribue à imposer la photographie documentaire comme un genre artistique propre, se distinguant du reportage. Dépressive, elle se donne la mort à 48 ans, le 26 juillet 1971, à Greenwich Village, en avalant une quantité importante de barbiturique. Puis, on va pas lire la suite. Sa courte carrière n'a duré que 8 ans. Son influence sur la photographie américaine est considérable. Elle a contribué à imposer l'idée que la photographie est un art à part entière. Elle travaillait en noir et blanc et développait elle-même ses travaux afin de maîtriser complètement le résultat de ses œuvres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, ça devient de plus en plus intéressant. La street photo, par exemple, on en a vu beaucoup, au final. C'est pas la première et c'est pas la dernière non plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a Castor qui nous dit qu'elle aimait bien aveugler les gens. Je cherche une vidéo où, justement, elle me fait beaucoup rire sur de street photo, justement. De celui qui est agressif avec sa photo. Ouais. Et en fait, c'est vachement intéressant comme style de photographie. C'est toujours en plus sur des. On va regarder les photos, mais on en a vu un peu tout à l'heure déjà, c'est vachement bien. Sur le processus, quoi. Et du coup, je vais essayer de retrouver la vidéo en même temps, en regardant les travaux. Est-ce qu'on a la date, déjà? Oui, 1900... la première expo qu'elle fait, 1967... Ouais, 1967, elle participe à l'exposition. Roselle. C'est ça? Non, pas du tout. C'est pas ça? À Roselle, New Jersey? Non, c'est en dessous. En 1967, elle participe à l'exposition New Documents qui se tient au Musée d'Art Moderne de New York. Il n'y avait pas avant? Genre, un travail remarquable intitulé... Après, si, on peut mettre en 63 la bourse. Bah oui, parce que c'est pas la première, vu qu'elle reçoit une bourse grâce à ça. J'ai regardé le prix de l'appareil, c'est 400 €. Hein. Je suis désolé, 600 € avec le poignet. Je cherche le truc et on y va. 600 € pour un appareil photo, c'est archi cher, mais... Pour un appareil photo qui est vieux, surtout. Mais oui. Les Mamiya, c'est en général cher. Mais c'est pas non plus hors de prix. Enfin, quand tu vois le prix d'un appareil aujourd'hui, c'est un truc historique de collection, tu vois. Ok. J'essaie de vous trouver la photo. Voilà. Ok. J'ai trouvé la vidéo, je vais vous la montrer. Du coup, je mets... Bien Airbus, c'est bon. On va regarder les photos après l'avoir mise dans la frise, du coup. 1963. Tu vois? Oui. Aïe, enfin, je réponds. Excusez-moi si vous me voyez bouger la tête, c'est parce que j'ai une douleur dans le... Non, mais c'est normal. Dans le bas de la nuque, là, et j'ai archi mal. Après, c'est peut-être la position, etc. Non, mais j'ai mal depuis cette... En général, on s'arrête au bout de 2 heures aussi pour ces raisons-là. Ouais, alors, je vais vous montrer des petits exercices pour... Oui, on a regardé la matinale. Moi, j'ai vu la matinale de télétravail, de D8, non, Direct 8, comment s'appelle, les C8? Ah oui, C8, le mec qui fait les trucs avec sa chaise, là. Il m'a tué. Il est fou. Il m'a tué. Et ils sont tellement motivés et tout, c'est magnifique. Hop. 2000, du coup, ça se déplace tout seul, je sais pas pourquoi. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais sauvegarder. D'accord, ok, je sauvegarde. Alors du coup, c'était définitivement Google, hein. Ça s'est calmé maintenant depuis grâce à Google. Donc c'était ça. C'est le nombre d'onglets. Ouais, en fait, à chaque fois, Google prend énormément de place à cause des onglets. Oui, mais quand t'as joué dimanche, il n'y avait pas d'onglets. Je pense que c'est Vandals et la vidéo. Ah. Parce que déjà, Vandals et la caméra, il n'a jamais été sympa avec. Du coup, là, j'ai pleuré. Ça a coupé 15 fois. Mais j'espère que ça va s'arranger. Donc, Diane Arbus. Et on va regarder son travail. Et je vais vous montrer ensuite, du coup, la vidéo qui m'a fait beaucoup rire. Et je pense qu'on va s'arrêter là, histoire de sauvegarder l'ordinateur, de pouvoir discuter un peu, si vous voulez, de la vidéo aussi. Voilà, voilà. Et faire un tour tranquille.
Hop. Et donc, du coup, on va regarder le travail de Diane Arbus. Oui, on a compris, Wizbot, que tu es là. Merci d'être. Merci de Wizbot qui faire. enchaîne les trucs. Oui, Non, mais en fait, je lui ai dit toutes les heures. bah c'est bien. Pendant qu'on. Quand on stream art, c'est ça qui est bien avec Wizbot. Quand on stream dans art, tu dis ce qu'on est en train de faire. Waouh. Et c'est bien. Je peux pas lui demander pour faire les jeux parce que sinon, il faudrait que je le mette à jour tout le temps. Mais Wizbot est gentil. D'ailleurs, on va dire bonjour aux robots. Alors. Bonjour les robots. Oh, bah il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Dans les Streamlabs et Wizbot, hein, vous avez bien compris. Il y a Nightbot qui est maintenant relégué en troisième division. Première division, c'est Streamlabs. Wizbot en deuxième division. Vous saurez pourquoi si vous streamez. Streamlabs est toujours premier en première position. Un OverTV Viewer qui est revenu après un moment d'absence. Et commande de route qui est Et toujours là. Commander Root qui est tout le temps, et bah c'est un Root, tu vois, il est là. Mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de bots quand c'est des jeux vidéo. Alors, j'ai appris qu'il y avait des surpopulations de bots aussi sur certains streams. Donc on sait pas. Alors, donc Diane Arbus, je suppose que c'est elle, vu qu'on voit son Mamiya, on voit son flash, on voit la protection de ses vies, de la lumière. Au niveau de son objectif, la photo La des fameuse photo, oui. la twin photo. Alors, bien sûr, il y a un contexte hein, visuel. Normalement, c'est pas le format. Le format n'est pas censé changer avec la tête. Vous devez connaître énormément cette photo-là. C'est la plus connue. C'est celle qu'on voit le plus. Donc ça, c'était déjà du 6 par 6, du coup, il disait qu'elle avait elle était connue pour faire du format 6 par 6. Oui, c'est ça. C'est un format Instagram en fait. C'est Instagram reprend ce format-là. C'est un format 1-1 en fait. Mais oui, c'est connu pour ça. C'est un format carré. Ça, c'est la grenade, ça, c'est la Ouais. photo dont il parlait qui est très connue. Alors, c'est dommage qu'on peut pas agrandir, mais. Il y avait une super rétrospective au jeu de paume. Je me rappelle, je l'ai vu. Tum, tum, tum. Celle-ci aussi est très connue. Mais ils sont minuscules. C'est des enfants et ils ont des têtes d'adultes, ils font peur. Oh la Le là on est bon sur du couple, là on est sur de la elle. dégaine, on dirait moi. On dirait moi. Tu veux Alors je dire au peux niveau de l'air de... au niveau de la dame, au niveau de la Ah coupe, oui. c'est moi. Je pensais que tu disais que le mec, on aurait dit Non, toi au en niveau mais. des yeux, c'est lui. Mais au niveau Superbe. de... J'avoue qu'au niveau de l'organisation de la coupe de cheveux, c'est à peu près C'est similaire. ça. Waouh! C'est les ouvriers. Ah ouais. Ah ouais. Ça aussi, c'est ouf, hein. Avec l'infini au niveau des yeux. C'est cool. Bien joué. J'ai. T'avais pas vu? Non. Enfin, si, j'avais vu, mais. On voit pas Les en bonne qualité. flux. Alors, je vous invite à regarder, parce que là, on voit des personnes qui pourraient faire partie de ce groupe-là. Bon, je vous invite à regarder Frix, vraiment le film hyper émouvant qui a été fait avec les personnes qui étaient justement exploitées dans les cirques. Donc, Est-ce du que coup, c'est hyper intéressant à regarder, surtout ce film-là, parce que justement, c'est un peu sur les comment s'en débarrasser du je stigmate, vais quoi. juste regarder c'est quoi le titre Anthropologie du contemporain. Et cette photo, elle fait archi jeune, tu vois, Ouais. je Non trouve, mais je regardais le parce que portrait et tout. c'est Julie Crène qui a écrit, ça doit être un article qu'elle a écrit. Et Et tu Julie connais Julie Crène, c'est Crène? une commissaire d'exposition et critique d'art qui est très très active. Depuis les, on va dire 5, 6 dernières années, qui travaille beaucoup sur qui suit beaucoup les artistes femmes contemporaines et qui a, je crois, fait une thèse sur l'art africain. Je suis pas 100% sûre de cette info, mais il me semble. Celle-ci, elle est marrante aussi. Mmh. Il y a Adam Driver après. Il ressemble pas du tout à ça, Adam Driver, mon Dieu. Waouh, wow, t'as tué mon. On a compris. Et donc, par exemple, cet acte, il me semble que c'est l'acteur qui a joué tous les personnages géants dans les films. Très connu, très très connu. Je me rappelle pas de son nom, mais.
Oui, elle a vraiment pris en photo des trucs un peu freaks, quoi. Bah, ce qu'on appelle ce qui est entre guillemets appelé les freaks depuis énormément de temps, depuis le film en fait. Et ce qui est marrant, c'est que ça a été Lui, réutilisé c'est un pour mod, plein de ça, le choses. mec là à gauche. Lui, c'est un mod. Ouais. Bah Ah non, non. c'est un petit. Je croyais Enfin, qu'il avait un les blouson mods sont en en Angleterre. cuir. Oui, c'est vrai en plus. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, il y a eu bien sûr la suite des mods ailleurs. Donc, ça, c'est les TDS, j'imagine. Bon, allez hop. Ah non, non, on est à Central Park, on est posé. On est posé à Brasher, Central Park. c'est quoi cette Elle est pose? trop bien. Il y a des super photos. Hein. Bon, ça, c'est pas du tout elle, je pense. Parce que la qualité, elle est numérique, là, par exemple. Ouais, il y a des super photos. Ok, Delarbus, très cool. Je crois qu'on a mis. Je savais pas moi qu'elle T'as tout de avait suite. elle était morte aussi jeune. Ouais, c'est dramatique un peu comment elle est morte Bah en aussi. fait elle a eu une carrière ils disent une carrière de 8 ans, c'est hyper court pour Bah la pour ce qu'elle renommée a qu'elle fait, a. ouais. Pour ce qu'elle a fait, ouais, c'est ouf. Alors, je sais pas si Castor tu es dans le coin. Je sais pas si Tomato Jules vous êtes dans le coin aussi, mais du coup je vais vous montrer la vidéo Du flash dans de la Bruce tête. Gildon, qui est si vous connaissez pas la street photo, je ne vous conseille pas de regarder. ça va vous faire peur, et je pense que imaginer ça au jour le jour, c'est compliqué. Alors je vous montre parce que ça me fait énormément rire, parce que en fait, en faisant des recherches, je précise, j'ai coupé le son parce qu'on va écouter, mais en faisant des recherches sur la street photographie, du coup, j'ai cherché un peu, un peu les gens qui ont un peu travaillé dessus, et s'il y en avait qui avaient des interviews, etc. Et en fait, je suis tombé sur celle-ci, qui est l'interview de Bruce Gildon, avec des passages de lui et comment il se déplace dans la rue. Parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est dans la street photographie, c'est la manière dont tu te déplaces. Donc on va peut-être regarder aussi Mark Cohen, qui a l'air d'être un peu dans le même délire. Alors, je précise. Ah ouais, d'accord. Et dans la street photo en général, il y a beaucoup d'utilisation du flash, surtout depuis un moment. Si vous connaissez un peu l'histoire, au début, il y a eu beaucoup de travaux sur par exemple, Brassai, je crois. Brassai qui a fait de la street photo. Attends, je me trompe tout le temps dans les noms. Je crois que c'est Brassai qui a fait Nuit à Paris. Brassi. Oui, mais si je Brassi. tape Nuit à Paris, c'est le livre, donc c'est bien. Oui, Paris la nuit, voilà, ça s'appelle Paris la nuit. Ah, Si vous connaissez brasseur. Paris la nuit, par exemple, qui est le livre que j'essaye d'avoir, d'ailleurs, sponsor, si vous voulez, hein, donnez-moi le livre. Donc, le livre de Brassailles, qui est donc, du coup, le livre de ses photos de nuit de Paris. Il a fait énormément de photos de nuit de Trop Paris, beau. qui sont juste magnifiques. Et en fait, c'est un peu la base justement de la street photo aussi, sur l'utilisation de la lumière, surtout dans la nuit, parce qu'il y en a très peu au final des gros trucs, mais il y a des trucs, c'est juste génial. Je vous laisse regarder vite fait, mais en fait, retrouver par exemple des trucs comme ça, par exemple, avec les affiches et tout. Moi, je me pose la question actuellement s'il y en a vraiment, s'il y a encore ça. Et j'avais trouvé aussi quelqu'un qui faisait aussi tous les. Bon, Paris aussi, il faudrait que je me rappelle du nom. Mais qui avait fait tous les petits commerçants. Donc là, il y a les gangs, hein, bien entendu, les syndicats du crime, le syndicat tout court d'ailleurs. J'invente ma vie. Mais voilà, il y a des trucs vachement bien, nécessaires à Alors, ce qui regarder. est fou, c'est qu'en fait, ça a créé aussi des gros. Je trouve que la photographie comme ça du type Brassai ou je sais plus comment, j'ai son nom en fait qui apparaît dans ma tête, mais ça veut pas se formuler verbalement. Donc, Will Ironis, par exemple, ou Ah oui. des photographes comme ça a tellement, je trouve, hein, stéréotypé une manière de faire de la photographie. Que en fait, aujourd'hui, quand il y a des jeunes photographes qui essayent de faire des photos et qui font par exemple les pavés un peu humides avec une vue plongée ou contre-plongée, tu dis ouais, d'accord, enfin, c'est bien, mais ça renouvelle pas trop le genre, Oui, mais quoi. en fait, c'est la photographie du quotidien, la street photo. Donc, c'est ça qui est Oui, intéressant. oui. C'est aussi le côté banal. Et en fait, au final, c'est avec le temps, ça devient moins banal. Par exemple, là, actuellement, je pense que c'est avec le passage du Covid, vu que c'est un moment et que le principe des photos, c'est de capturer un moment, je pense que c'est intéressant d'avoir de la photographie maintenant.
Parce qu'il y a peu de monde, il y a moyen de faire pas mal de choses, etc. Mais celle-là, là, juste. Je voulais juste vous montrer. Qui est ouf. Oui, ouais. Et je voulais juste vous montrer aussi. Alors, je suis pas sûr que ce soit lui, hein, mais on va regarder. Ansel Adams, qu'on voit assez souvent en ref. Ansel Adams, qui lui est un sociopathe de la lumière aussi, sauf que lui, c'est des portraits et de fixer et de prendre énormément de temps. Et il y a un gros travail sur la Non, mais lune. ça, c'est C'est un, improbable il est comme, ouf, il comme est ouf, travail. il est ouf. Et je crois qu'il a fait un gros, voilà, il a fait un gros travail sur la lune. Et en fait, c'est comment capturer la lune avec un appareil photo en étant dans un endroit où. Où en fait, faut vraiment être dans la nuit noire, au-dessus d'un désert, ce genre de truc-là. Et c'est incroyable. Voilà. Donc ça, c'était pour Mais le. ce qui est beaucoup plus simple à faire en numérique, en fait. Oui, mais lui, il était pas en Bah oui, mais non, mais c'est numérique. ça. Bien Parce qu'en entendu. fait, ça, c'est les photos, elles En sont fait, dingues, mais c'est la oui. taille du capteur. Enfin bref, la taille de la. Bon bref. Je passe le truc. On va voir Bruce Gilden. Vous allez comprendre un peu quel est l'homme et quel est-il dans l'espace public. Bon. Ah oui, mais il est fou, lui. I'm Bruce Gilden, photographer. Born in 1946 in Brooklyn, that's where I acquired my famous accent, or infamous accent, which I can't stand. When I was growing up in Brooklyn, looking out my second story window as a child at the vigorous activity in the street, I was hooked. Il est ouf! Il est archi ouf! Et ce qui est fou, c'est que les photos, elles sont hyper intéressantes en fait. Ouais, mais c'est un sociopathe! Il y a des mecs qui n'aiment pas les gens! Hein. Il n'aime pas les gens! Est-ce que vous voulez perdre vos yeux? En plus, c'est vraiment genre, il attend! The viewer will always feel like he's a participant because I work so close. The viewer gets the feeling that he's in the middle of the action. I use flash a lot because flash helps me visualize my feelings of the city. Le pire, c'est qu'il balance le flash vraiment dans les yeux des gens. Voilà, et après, il explique qu'en plus, le truc, que c'est ça qu'il cherche, c'est de les stresser. But what I see is, and the viewer should see, is that a lot of people walking in the city are like lost in thought. They're not paying attention. You know, they're thinking about this. They're thinking about these two guys are good. Let's see. Mec, c'est Et après, il lui engueule parce qu'il sou... Enfin bref, voilà. Donc du coup, il fait partie de ce genre de personnes qui sont en mode, ok, donc je suis en chasse, tu es en proie. Exactement. Exactement. Et donc du coup, oui, c'est clairement le gros problème de l'intrusivité, bien entendu, et le consentement, bien entendu. Et en fait, je trouve ça ouf, mais en fait, c'est un style. En fait, c'est un style photographique, d'après ce que j'ai compris. Parce qu'il y a toujours ceux qui sont actifs et ceux qui sont passifs. Il y a soi-disant, après, bien entendu, j'essaie d'enlever le côté sexuel du truc, mais je soupçonne qu'il y a ça aussi. Mais il y a des gens qui fixent, en fait, à des endroits, qui pensent du coup à la forme. Du cadre, etc., etc., et qui attendent en fait d'avoir le bon moment et de pouvoir prendre la photo. Peut-être sans être intrusif, du coup. Ah, lui, il a Et demandé par lui, exemple, a priori, non? lui, il demande. Mais il demande. En Sauf que tu sais pas discutant? non plus à quel moment ça va se passer. Ah, il discute avec les gens et il prend, en fait. Ok. C'est particulier aussi, mais au moins, il a un dialogue avec les gens, quoi. Ouais, Bruce Gilden est très vénère sur ça. Mark Cohen Après, il y a d'autres. Après, c'est assez marrant parce que quand il est avec le consentement, justement, tu vois, ça change pas le principe du tu prends quand même le flash dans la tête. C'est quand même un C'est peu ça. violent. C'est quand même très violent. Bonjour monsieur, bonjour madame. Êtes-vous prêt à perdre vos yeux C'est un peu pour ça. l'art? Et surtout qu'en plus, si vous connaissez un peu l'histoire de la Ah, elle photographie et lui a du pas demandé flash, son avis par contre. Hein, c'est voilà. Non. si vous connaissez un peu l'histoire du flash. Vous savez aussi qu'il y a eu un moment où c'était du phosphore et du coup qu'il y avait aussi de la perte de yeux. Mais c'est bizarre, il Voilà. a parlé à tous les hommes qu'il a croisés et toutes les femmes, il les a juste shootés dans la tronche, quoi. Trop bizarre. Ouais, donc du coup, il y a clairement. Moi, c'est ce que je pense. Il y a un rapport d'utilisation de l'espace public
clairement masculin. Non, mais en plus, c'est C'est bizarre sûr. parce que, en fait, dans le truc de non-consentement, il y a aussi le fait qu'ils sont comme ça, genre. Enfin, il y a vraiment. Ça fait hyper peur, quoi, tu vois. C'est... Déjà, tu le vois arriver, le gars, t'as peur, en fait. Oui. Tu dis, non, mais je ne veux pas. Et je confirme, hein, t'as Castor, c'est même pas presque malsain, je pense que ça l'est. Après, la question, c'est. Voilà. Comment finalement est-ce qu'ils font des trucs au final posés, mais quand tu regardes Duano ou des trucs comme ça, où en fait finalement le malsain il est déplacé ailleurs, est-ce que la photo aussi, tu vois, il y a plein de trucs aussi, et je pense que c'est le problème de l'utilisation Bah après, il y a masculine en fait aussi. de la photo, hein, Ah, mais il y a aussi beaucoup de photographes dont on ne sait pas comment. Enfin, on n'a pas l'envers du décor parce que ça n'a jamais été clairement. filmé. Et du coup, on ne sait pas si les scènes elles sont posées ou si c'était hyper intrusif ou quand même. Parce que, en vrai, par exemple, quand tu es dans l'espace public et que tu dois prendre des photos, où tu as plus cet œil à te dire je veux capturer des trucs qui me plaisent moi, du coup, en fait, tu as forcément un truc. Moi, je sais que par exemple, j'ai fait un peu de photos et tout, mais j'ai jamais réussi à prendre les gens. Vraiment, enfin, même quand j'étais pas en phase 2, mais je me disais, ouais, mais s'ils se retournent, s'ils me voient et tout, j'ai pas, faudrait que je leur demande, mais du coup, j'avais pas envie d'aller leur demander non plus est-ce que je peux vous prendre en photo, et du coup, en fait, j'arrivais à jamais, enfin, à finalement pas prendre les gens parce que j'étais pas à l'aise en fait avec cette idée-là, et je pense qu'il y a vraiment un truc d'appropriation de l'image, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de, il y a plein de populations, a priori, enfin, moi j'ai jamais rencontré des gens qui m'en ont parlé, mais qui ont très peur de se faire prendre en photo. Sur l'histoire de que ça capture leur âme ou enfin des choses comme ça, Oui, il y a il y a ça aussi, certaines bien personnes entendu. qui détestent être prises en photo, quoi. Culturellement, il y a aussi d'autres trucs, ouais. Alors, par exemple, un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'était aussi Kai Wong qui a fait des trucs de ouf avec Digital Rave. Mais par exemple, lui, il fait la même chose, c'est-à-dire il fait de la street photo, bon, en testant les trucs qu'il a. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la manière dont. Alors, je vais vous montrer par rapport à Digital Rave, parce que la manière dont il s'est déplacé, par exemple, avec Digital Rave, qui est donc du coup en Chine, et la manière dont on fait de la street photo en Chine, et la manière dont on le fait aussi ailleurs, donc du coup en Angleterre. Et en fait, c'est intéressant aussi sur ça. On avait vu, je t'avais montré des vidéos de Nouvelle-Zélande, je crois, aussi, d'un street photographeur aussi qui faisait en Nouvelle-Zélande, la manière dont Après, au il n'y a final jamais. ça formalise les trucs, Moi, ce que j'ai vu sur comment trouver Internet, les lieux, etc. sur Internet, c'est que pour. Ouais, Désolée, je vais reboucler la boucle parce qu'on s'éloigne beaucoup. C'est que souvent, même dans les tutoriels ou les manières de faire, on voit jamais de femmes, quasiment pas. Enfin, Digital Rave a invité quelques femmes à prendre des photos dans ses programmes, mais. Et des très, très douées en plus. Voilà, mais il n'y a pas cet aspect de transmission aussi de nanas qui vont dire bah moi je vais dans l'espace public et je prends mes photos comme ça. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on les a pas trouvées non plus, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi de. Dans la transmission de comment faire des photos, comment s'approprier l'espace, comment faire des prises de vue et tout, il y a un Et truc qui est pas très féminin, comment quoi. se montrer aussi, parce que là, ce serait en plus d'être filmé pendant l'action de la prise de la photo. Est-ce que, tu vois, c'est déjà l'utilisation de l'espace public est compliquée. Je pense que le fait en plus d'être filmé, ça peut être aussi compliqué. Bon, bref. Tu vois, par exemple, si on rajoute déjà le problème du malsain, le rapport à l'intime, etc., des personnes qui se baladent dans la rue, qui pensent aux choses. Par exemple, il y a beaucoup de travaux qu'on a vus de femmes où c'est des rapports de famille, par exemple. Des rapports de précarité, des trucs comme ça. Et en fait, du coup, c'est peut-être plus de dialogues aussi qui sont nécessaires à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense Et qu'il y du a coup, il y a un forcément truc. il y a forcément une Il y a un porte. J'ai truc l'impression où qu'il y a t'as une pas porte besoin ici. d'avoir en plus, tu vois, la caméra qui filme. Alors que là, c'est vraiment, tu vois, genre, ouais, t'as vu, regarde, Non, mais il y a une je portée. suis En un fait, ouf. il y a une C'est un peu ça, portée quoi. sociale ou une portée en tout cas de donner de la visibilité à des populations qui sont minorisées, enfin ou qui sont Ouais. marginalisées. Et du coup, je pense qu'effectivement, de toute façon, dans cette démarche-là, les photos, je pense, sont moins pertinentes si tu rentres pas un peu dans l'intimité ou de moins dans un truc de connaissance de ces personnes-là. T'as forcément un Ouais, truc t'es qui obligé de est trop rassurer les. En fait, quand tu esthétisé rassures ou. les gens, c'est nécessaire, en fait, parce que c'est ça. Il faut rassurer les gens quand tu prends des photos, surtout
de street photo, il faut rassurer les gens de la manière dont tu la prends, la photo, sur comment tu vas l'utiliser au final. Ouais. Parce que si c'est pour là, ok, mais il faut quand même avoir un peu de social quoi, dans l'art. Si le contexte c'est de t'as tué quatre œils sur le passage, c'est compliqué. Bon, du coup, on fait un petit topo récapitulatif. Je vais faire le petit... Désolé pour la digression, mais c'était juste pour vous montrer par rapport à ce que tu disais, Castor. Justement sur aveugler les gens dans la rue. Voilà. Donc du coup... je voulais mettre... Oui, récap. Parce qu'en fait, je fais un rappel. Mais le chat, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, le chat. Bah, je lui fais des câlins, mais elle a pas envie, apparemment. Voilà, et du coup après je vous montrerai qui est l'ange noir de après avoir fait la capture. Parce non, que j'ai oublié. On va pas boucler ce stream sur ça, non. Voilà, donc du coup, on a fait Yaya, c'était il y a un moment, Properzia Adder aussi, Elisabeth Serrini, c'était il y a un moment. Je crois qu'on a eu personne en 1800. Non. 1700-1800, on en a pas. Aujourd'hui. Non, on a aujourd'hui, on a fait que 20e siècle. Je fais un petit rappel quand même de ce qu'on a fait déjà en 1840. Le stream a sauté. Seulement ma connexion. Ah ok. Ah mince, donc t'as peut-être manqué un bout alors, c'est ça? Ah du coup t'as loupé. T'as pas vu le chat. t'as pas vu les masculins font de la street photo. Là. Bah si, parce que elle a dit le consentement de la photo pas top. Alors je sais pas. Ah c'est pas de notre côté alors du coup que ça a sauté je crois. Non c'est elle a dit c'est sa connexion. Ok. Bah tant mieux. Du coup c'était bien Chrome. Donc Abba Chrome. Faudrait que je sauvegarde comment ça s'appelle? Les liens. Et qu'on arrête d'utiliser Chrome. Hein, parce que c'est juste aliénant Google. Allez, on continue. Alors, est-ce qu'il y avait du monde ici? Non. Non, toujours pas. Non. Non. On va pas être insupportable à ce point-là. Non. On a fait que des personnes qui sont nées tard. Oui, non, mais je regarde quand même, on fait quand même le topo de tout le monde. T'énerve pas, s'il te plaît, Nina, parce que là, tu vas me faire. Mais il y a Dora. Voilà, Dora Mar, 1931. Et Roger André en 1935. Bérénice Abbott, par exemple, pour la street photo. Hein. Hélène Lévite en 1943. Et la dernière est en 1960, je crois. 50. 45, je sais plus. Non, c'est la dernière, c'est Diane Arbus en 1963. 60. Donc on a bien fait d'ouvrir hein, déjà. Voilà. Donc, Diane Arbus qui est rentrée dans la frise, qui nous a fait un peu une discussion. Voilà. Du coup, c'était cool. Je suis très content que vous étiez là, Castor et Tomato Jones. Et Petit Kanganou, bien sûr. Et toujours, Petit Kanganou qui est toujours présente, mais qui apparemment s'amuse à prendre ce solvant le soir. Prise de solvant nocturne. Alors je tiens à préciser, ce n'est pas recommandé avant de dormir. Parce que quand on fait de la peinture, c'est très rarement recommandé de faire ça la nuit. L'aération. Ça dépend où c'est. Si c'est dans les toilettes, ça va. Si c'est dans ta chambre, non, c'est déjà dans la chambre, c'est compliqué. Mais faut faire attention, quoi. Alors, l'ange noir de Saint-Germain, si vous voulez savoir, je vous le dis à l'oral comme ça, j'ai pas besoin de vous le préciser, mais c'est Juan Brancul. Juan Branco. Non, pas CNews en plus. Mais non, mais c'est le tweet que je cherche. Oh, mais pourquoi tu cites mes sources comme ça? Alors, la blague, pour ceux qui savent pas, c'est que donc, le livre... Le prochain livre de Juan Branco. On fait un peu de pure promo pour un moment quand même. Abattre l'ennemi. Abattre l'ennemi.
qui est aux éditions Michel Lafon, donc c'est abattre l'ennemi, tu vois, genre les grosses entités, les grosses institutions, mais on édite quand même chez Michel Lafon. C'est important. C'est important. Et donc, ouais, la blague qu'a fait 13 bis, c'est parce que Juan Branco a écrit un livre qui s'appelle Crépuscule, et nos chers amis Usul et Cotentin disent que le livre, c'est Crépusco de Juan Brancul. Ouais, c'est très drôle. Voilà, et du coup, pour vous dire qui est l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés, eh bien, je crois que c'est lui. L'ange noir de Saint-Germain-des-Prés. Le voilà. Perturbateur. Mon Dieu, non mais on a même pas envie de savoir en fait. Voilà. C'est vrai que moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas non plus, mais c'était pour référence à qui était l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés. Maintenant vous savez. Qui va à Saint-Germain-des-Prés déjà même aujourd'hui? Bah on cherchait les, on a regardé les deux magots tout à l'heure. T'énerves pas? Mais il y a plus aucun intérêt d'aller aux deux magots puisque. Arrête, fermé. Ils font de la livraison d'après ce que j'ai compris. Ah, la livraison de pizza. Super. Voilà, donc vous êtes au Demago, si un jour, non, moi j'avoue, au Demago, j'ai mangé, pour vous dire, hein, le meilleur sandwich jambon-beurre que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Ouais, Ninouche, elle va à Saint-Germain-des-Prés, ouais. C'est bien son style. C'est exactement ça. Pour le matos d'archir. Oui, bah, je comprends. Ouais. Je comprends. Eh bien, du coup... Et notre notaire est là-bas. Vous avez un notaire, d'accord. Ah d'accord. Ah, ok, vous êtes des personnes avec un notaire. C'est bien. D'accord, pour les sandwichs. Alors, je précise qu'on me l'avait offert. Hein. Je n'ai pas payé le sandwich jambon-beurre du Demago. Non, mais ça peut servir un notaire en soi. Hein. Ça aide pour tous les processus administratifs. Du coup... Pour le contrat de mariage. Si jamais on vous parle de Juan Branco, oui, le contrat de mariage, ah bah oui. Important. Très important. Faites un contrat de mariage. Toute personne qui regarde ce live et ce YouTube, faites un contrat de mariage. On a beaucoup parlé contrat de mariage dimanche soir en regardant le live de Marinette Perrin. Ah oui, d'ailleurs. C'était beau. Il faut. Alors on va faire un petit. On va faire un shout out à toutes les personnes qu'il faut regarder en ce moment sur Twitch. Je pense que c'est pas mal. Surtout que j'ai retrouvé dans mes pérégrinations Tomato Jules sur un super stream de quelqu'un. J'ai enlevé la frise, mais c'est très bien. On va faire l'arrêt maintenant. Oui, parce que maintenant on se retrouve un peu partout. Ouais, on change de stream. On dit, ah, mais vous êtes ici, vous. Mais vous ici. Vous ici. Et donc, du coup, on va faire les shoutouts. Bien entendu, le premier shoutout. Au modo de tous les modos et les modos des modos. Donc, du coup, bien entendu, petit cancan, modo des modos, première des modos. Et histoire crépue, deuxième des modos, pour tester les modos. Donc, petit cancanou qui commence The Last of Us 1. Mardi, comme d'habitude, à 19h. Bah non, mais non, c'est une semaine sur deux, non? Attends, mardi, on n'a pas Tlou. Ah non, mais là, je sais pas la prochaine fois ce qu'il y a. Moi, j'ai dit ce qu'il y avait. Ah pardon, oui, mardi, il y a eu Tlou. Je vois que Petit Gorkano, tu ne nous hostes pas. Non, ah le relou. Donc du coup petit cancanou qui envoie du telou la semaine dernière, donc cette semaine du coup. Histoire crépue qui fait la pause des réseaux en ce moment. Je sais qu'elle fait genre elle nous entend pas mais. Et du coup histoire crépue pour revue de presse des coloniales. Tout le vendredi normalement, dernière. Mais c'était la pause. Donc il y a la rediffusion de l'Algérie où j'ai rencontré Tomato Jules la dernière fois. Et oui, elle se remet de Daddy Fouras, exactement. et je pense que c'est nécessaire. Alors du coup, on va shout-out les autres. Alors, un gros truc, je vous conseille quand même de regarder parce qu'on est jeudi et le jeudi c'est maudit. Maudit qui fait en ce moment, donc tous les jeudis, des revues des sciences sociales, donc je vous conseille d'aller voir.
Maudy, qui est quand même une influenceuse, hein, comme on dit, hein, une influenceuse du game anarchiste, et qui fait les sciences sociales, et qui est chercheuse en sciences sociales, donc du coup politique, et qui en plus, du coup, fait en ce moment sur le rapport au vote. Donc c'est intéressant en ce moment, et qui a fait sur le FN, donc il y a aussi la chaîne YouTube, à regarder pour le replay sur le vote FN. Très intéressant, pour apprendre qui, pourquoi et comment. Là, le rapport au vote, celui d'aujourd'hui, était ouf. Parce qu'en fait, les gens, ils votent Arlette Laguiller, Nicolas Sarkozy, Hollande. Et tout ça dans le même premier, deuxième vote. Incroyable. Incroyable. Et bon, je vous explique. Enfin, il faudra regarder pourquoi les gens votent trois fois, hein, bien entendu. Mais grosso modo, il y a aussi un vote en plus d'une personne de sa famille qui est rajouté et qui vote trois personnes différentes et qui se dit de gauche. De rien. De gauche. C'est très intéressant. Et du coup, voilà. Ça, c'était pour Maudit. Mais surtout, donc on parlait de Marinette. Et donc, Marinette. Moi, quand je finis mon stream le dimanche, c'est très simple. Hein, j'ai maintenant un planning. Ce planning-là, il est officiellement. Je finis un stream où c'est le cheap stream et c'est de la merde. Mais on arrive à faire des trucs bien de temps en temps. On fait du JDR avec Nibbler où je joue à un connard. Donc c'est rassurant. Et ensuite, j'enchaîne avec Marinette Perrin, qui fait la revue de presse des féministes, et je vous conseille d'aller voir, du coup, Marinette Perrin, que je vais sans doute hoster tous les dimanches, du coup. Alors, par contre, il y a des gros trigger warning tout le long. Trigger warning, H24. Parce que c'est... Quand je disais, je voulais faire le parallèle entre je joue un connard, mais par contre, le niveau qui est arrivé au niveau de Marinette, de ce qu'elle lit, sur la revue de presse féministe, c'est incroyable. Disons que tu finis ton dimanche soir, t'as envie d'aller brûler les gens. T'as envie de tout casser. Ouais. Et le chat est un peu en feu sur ça au fur et à mesure. C'est genre, à la fin, c'est les gens envie de tout casser. Et, en fait, et du coup, c'est... Et pour le trigger warning, il faut bien comprendre que... ne restez pas si vous ne voulez pas rester, et elle le comprend tout à fait. Il y a plein de gens qui partent exprès, parce que justement, c'est des sujets qui sont pas sympas du tout. Et du coup, c'est quand même intéressant d'avoir une revue de presse féministe, et je vous conseille du coup d'aller voir Marinette Perrin, qui a fait en plus un super, je sais pas si vous avez vu, du coup, sur YouTube, qui a fait un super docu sur les violences conjugales, Et sachant aussi que, par exemple, dimanche soir, il y a eu aussi une quasi-intervention live de sauvetage, parce qu'il y a aussi des gens qui racontent, du coup, « Ah, moi, il m'arrive ça, machin. » Et donc, il y a en fait, comme il y avait à peu près... 3000 personnes, je crois, un truc comme ça. Enfin, du coup, il y a des gens qui écrivent en disant « Ah, mais moi, je suis au même endroit, si machin a besoin d'aide, si truc. » Et donc, c'est assez... c'est un vrai moment aussi où il y a des gens qui livrent des trucs. Il y a des femmes, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes qui disent qu'ils sont devenus misandres et qui crachent sur les hommes. Enfin, bon, c'est un peu... c'est particulier, mais voilà. Voilà, non, mais en tout cas, je vous conseille d'aller voir. Je vous ai mis en plus traqué, si vous voulez regarder juste rapidement ce que c'est. Il faut être un peu accroché aussi pour regarder les cyberviolences conjugales. Si vous-même, vous avez été victime de cyberviolences ou de violences ou quoi que ce soit, même dans un cercle familial et tout, c'est un peu... Ça a peut-être réveillé trop de choses. Donc faut... enfin, moi, je sais que, par exemple, je suis assez distancée par rapport à ça, donc j'arrive à entendre et à regarder ce type de contenu, mais c'est un peu difficile. Ça passe pas. Voilà, et donc du coup, ça c'est les shout-out. Je pense que t'avais envie de faire un shout-out en plus? Non, voilà. Il y a toujours beaucoup de choses à regarder. Je vous invite ça veut dire demain soir, on n'a pas Histoire Crépue. Normalement, on n'est pas censé avoir Histoire Crépue parce qu'il fait la pause. Je pense que c'est nécessaire quand même d'avoir ça. Et ouais, je pense qu'on va vous laisser. Petit Cancanou, prends soin de toi, surtout pour le solvant. Fais attention. Aère ta maison. Voilà, aère bien.
Des bisous aussi à Castor et à Castor Texas Ranger. Je ne sais pas si c'est une référence à quelqu'un que je crois savoir, mais je ne suis pas sûr. Et, Tomato Jules. À Walker, moi. Walker Texas Ranger, moi, je pense. Ouais. Et, et Tomato Jules, merci d'être venu. Merci. Après nous avoir rencontrés pour la 6 millionième fois. Voilà. Et du coup, merci Nibbler d'être là. Toujours agréable. Et aussi, si on se faisait des petits meurtres entre amis ce week-end, ça serait très cool. Je serais content. voilà, des bisous. Des bisous. À plus. Je fais des cœurs.